Merci Jen et Thibault de nous recevoir aujourd'hui fin septembre dans vos jardins. Donc là on est en Alsace à 500 mètres d'altitude euh, et vous vous êtes installés ici vers 2017 sur des sols euh, sablo limoneux. Est-ce que euh, du coup peut-être Thibault puisque Jen t'est arrivé plus tard, ça. tu peux nous expliquer un peu comment t'es arrivé, c'est quoi ton parcours euh, pour arriver sur cette ferme ici euh, bah oui moi je suis arrivé en 2017 donc c'est du terrain familial de mon père qui, qui habitait ici et euh, bah du coup mon, mon parcours euh, c'est bah, j'ai fait des études longues en sciences de la terre un doctorat et puis euh, j'avoue à la fin euh, c'était un peu dur j'ai envie de quelque chose de faire quelque chose de plus concret là ça, ça paraissait un peu abstrait et bah du coup je suis parti euh, j'en avais un peu marre je suis parti en voyage j'ai vu pas mal de Perspective intéressante, j'ai élargi mon point de vue et voilà, le maraîchage était déjà un peu dans ma tête. Et après, je me suis un peu testé durant le voyage en woofing. Et après, je suis revenu en 2015. Et en 2016, j'ai fait la formation BPREA, donc en reconversion professionnelle. Et après, je me suis lancé dans la foulée, quoi, direct. Avec toujours dans l'idée de s'installer sur les terres familiales oui, c'était l'idée, ouais. Oui, après c'était euh... il y avait quand même un agriculteur qui louait même si mes parents étaient propriétaires. Euh, il y avait un agriculteur qui était déjà euh, en tant que ba... enfin un bailleur quoi et du coup il a fallu le convaincre pour s'installer. Ce n'était pas si évident quoi. Même si mes parents étaient proprios, il y avait un bail oral donc euh, c'était un peu on a essayé de négocier. Le terrain, tu es sur quelle surface Du coup là, c'est sur 40 ares. Mais euh, en fait, il euh, y a 80 arts en tout et c'est comme ça qu'on a négocié en fait euh, de dire je prends que la moitié. D'accord. Euh, c'est comme ça qu'il a un peu cédé. Euh. Et lui a gardé l'autre moitié pour ses bêtes Voilà, ouais, c'était le... ouais, un éleveur, ouais. Donc, et... Là dans la région, on est surtout sur, des... sur de l'élevage sur... ouais. euh... Oui là on, euh... en montagne, ouais, on est... Et du coup, euh, ouais, c'est vrai qu'au début, euh, on nous a regardé un peu bizarre quand on... Qu on voulait faire du maraîchage ici euh dit ça poussera pas, machin. <laughs> donc, euh... <laughs> ça pousse. <laughs> eh, bah oui. Ah, oui. oui. Et bah oui, oui. Du coup euh, j'ai fait mon petit jardin, euh, de là où il y avait euh... bah, ma grand-mère faisait un petit jardin derrière. Donc euh, j'ai commencé à tester sur 100 mètres carrés. Quoi. Ça, je pense que c'est assez important de... dès qu'on a un petit bout de terrain, essayer de tester. Euh... Si ça marche, effectivement, euh, que tester des itinéraires, faire les pires conneries, euh, comme je dis à mes étudiants, euh, <laughs> les, les pires conneries possibles au début. Pour, euh, quand t'as moins de risques. Hein. Quand t'as moins de risques, si t'es, C'est comme ça aussi que tu t'es formé C'est euh, ouais. sur tes 100 mètres carrés Oui, pendant deux ans, j'ai testé un peu. Euh... T'as eu des stages avec le BPROA aussi, oui. j'imagine Oui, les stages étaient euh, dans la formation, c'est ce qui m'a le plus servi, je pense. Euh, J'étais en Normandie, d'ailleurs, en stage, chez... Ah. Mince. Edouard, euh, Staline, ouais. Et euh, ouais, les formations, les visites de fermes, hein, c'est vraiment super pour piocher les idées. Euh, voilà, Aujourd'hui en encore, euh, vous arrivez à, à continuer à aller voir d'autres fermes euh. Plus difficilement, ouais. C'est plus. Euh... Bah, plus chez les copains, quoi. Enfin les, euh, les membres de MSV, euh, grandes, mais sinon, euh, ouais, <laughs> c'est assez compliqué. En tout cas, en, en saison, ouais, c'est compliqué. Ouais. Du coup, sur le contexte, euh, donc on est en Alsace. Euh, si j'ai bien compris, on est dans les montagnes, un peu en altitude, quand même. Ouais. Qu'est-ce que ça implique Ouais, donc ça, c'est un contexte. Ouais, à prendre en compte quand on s'installe, c'est de, de voir un peu, euh, ouais, la météo, euh, le contexte, le sol. Ça, on, ben, on, avant de me lancer, ouais, j'avais un peu, j'ai un peu creusé, voir ce qu'il y avait comme sol. J'ai un peu euh, j'ai regardé l'ensoleillement avec une boussole. Donc, ce qui est un... ça fait un peu peur parce qu'en hiver, on a deux heures de soleil. Quoi. Donc, c'est vraiment. <rire> euh... <rire> <Ouais>. <rire> en fait, le, le soleil passe sous la, sous la montagne. Donc, il faut vraiment, pour les semis d'automne, il faut vraiment s'y prendre en, en début août, quoi, vraiment assez tôt pour euh, qu'ils arrivent bien à maturité. Vous, vous êtes à quelle altitude Vous êtes à flanc de montagne, le sommet est à quelle altitude C'est quelle orientation Là, on est ouais, à 500 mètres à peu près. Hein il bon, y a du dénivelé quand même, ouais. <laughs> plus ou On moins 30, prendre, ouais. 30 mètres de dénivelé. Orienté. Euh, Nord-Est, Ouais le soleil ouais. du matin il est là. Ouais, il est par là. Ok et euh, l'altitude du sommet là. Peu je ne saurais là. pas le satellite Au dessus là, ça... je sais pas euh, s'ils sont mètres. Ou... Patent, ouais, pas tant ouais c'est pas c'est pas hyper haut. Hein. Ouais. Ok donc flanc de montagne vous avez des pentes. Ouais donc oui. la pente c'est aussi un un paramètre que j'ai un peu sous-estimé, ouais, vraiment. Euh, au début, je faisais tout à la brouette manuelle, les deux, trois premières années, et là, je, mon genou aussi a commencé à faiblir. Donc là, j'ai emprunté une brouette euh, mécanisée euh, à moteur, quoi. Et après, c'était impossible de revenir en, en arrière. Donc, Ça a bien aidé quand même ça euh, pour euh, gérer ça. Après, en revanche, il y a quand même un point positif, c'est les L'irrigation, en fait, euh, j'ai une source à 30 mètres euh, au-dessus du jardin, donc est tout marche par gravité. J'ai trois barres de pression, quoi, donc euh, oui. tous les asperceurs, les gouttes à gouttes, il euh, n'y a pas de pompe. Donc ça, c'est quand même cool aussi. Ouais. C'est le point positif. Voilà. <laughs> <laughs> Est-ce que tu as des problèmes de euh, glissement de terrain, d'érosion euh, euh, Non, ça, ça va, ouais. Euh... Pour le moment, là, on n'a pas eu de soucis, hein Ouais. T'as la route qui passe au-dessus, t'as pas des déversements d'eau euh... Non, vraiment, quand il y a des gros orages, des fois, mais euh, c'est pas comme on paille beaucoup. Euh... C'est quoi tes pentes Et ben, du coup, il y a à peu près 8-10% en bas, et la dernière pente, il y a 16%, ouais. Du coup, tu t'es organisé, euh, t'as mis euh, les passe-pieds à plat, les cultures en pente, ou l'inverse euh... Du coup, les jardins sont ouais, euh, perpendiculaires à la pente, quoi, plutôt. Ouais T'as terrassé enfin, les planches. Non, ça c'était un grand questionnement aussi, euh, est-ce que je terrasse pour les serres surtout ouais. Parce que je me suis dit, il y a quand même un poids euh, si on, qui, qui risque d'appuyer plus fort sur euh, un côté. Après, euh, je n'avais pas envie de perturber le sol, donc ça l'a emporté. Euh, parce que oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'était sur une prairie quoi. Donc, euh, c'était vraiment dommage de, de, de terrasser, de tout euh, chambouler, quoi. Et bah, du coup, euh, je me suis lancé comme ça, en, sans faire de terrasse et euh, juste euh, vraiment sans, sans Du toucher, coup, tu as en fait. choisi l'endroit le plus plat du terrain pour mettre tes serres. Ouais. Et donc, tes serres sont au plus loin de la maison. J'ai essayé ouais, de la pente elle est la plus faible en bas. Donc, euh, ouais, j'ai d'abord mis les, la première serre... Euh, Ouais, historiquement la première serre c'était la première c'est celle du bas ouais. C'est pesant en termes d'aller-retour. Ouais, faut pas oublier des choses. Ouais <laughs> ça grimpe quand même. <laughs> <C 'est ça. rire> du coup il y tu réfléchis tu dis, hein, bien. Hein. C'est sûr qu'au niveau des outils, ouais, ça c'est un peu... Euh, faut bien réfléchir, euh, pas oublier des trucs, sinon t'es bon pour remonter. quoi. Ouais. Parce que ton stockage d'outils est en haut. Ouais, tout. Ouais. Et puis des fois, bon, euh, il reste en bas un peu par... Euh... Par défaut. Quoi. <laughs> Parce que j'ai pas envie de faire des allures, ouais. Dernier point sur les pentes, euh, au niveau des accès. Euh, j'ai vu un accès par le dessus, un accès sur le côté. Euh, c'est lié aux pentes, c'est lié à la facilité. Ouais, bah il a fallu coup, les aménager. J'ai réfléchi au moyen d'accès. quoi. Donc, euh, il ouais, y a un chemin en fait, qui. qui... Qui, qui sert ouais, en colonne vertébrale du jardin qui passe par le milieu du jardin et qui repart sur la route pour pouvoir faire un circuit euh, en fait d'un seul sens quoi parce qu'avec la pente c'est dur de refaire marche arrière ou, euh, donc j'ai fait un petit circuit ouais, euh, voilà et bon les paysagistes des fois ils, tout ce qui est broyat tonte ils déposent en haut c'est plus pratique pour eux que de rentrer euh, Ok, encore un point sur le contexte. Euh, 500 mètres d'altitude, ça vous arrive d'avoir de la neige Ouais, bah, en hiver, euh, oui oui, euh, c'était quoi 2021, on avait bien oh ouais. 50 cm, ouais. Oh ouais pas... Sur les serres, ça passe Il bah, faut déneiger dû balayer, enfin euh, prendre un balai et puis. Euh... Mais euh, oui, c'est allé, hein, c'était. Est-ce que tu vois la serre qui ploie sous le poids euh, oui, ouais, plus là, pour la lumière. J'avoue, j'avais déneigé le soir, il y avait 30 cm, il avait encore neigé 20 euh, dans la nuit, euh, donc j'étais content d'avoir euh, déneigé euh, la veille. Pour, euh... Mais ça arrivait une fois en 6 ans pour l'instant, hein, donc euh, de moins en moins je pense. Euh... Il y a de moins en moins d'années euh, comme ça, neigeuses. Ouais. oui. Donc... Le terrain, du coup, euh, vous l'avez acheté ou c'est de, de la location Pour ouais. l'instant, c'est de la location, oui. OK. Oui, à mes parents, du coup. Ouais. Euh, bon, y a un bail, ouais. Très bien. C'était un terrain qui est une prairie qui était en bio avant. Vous avez dû attendre l'assertif. C'est pas mmh, un critère non. pour vous. Du coup, euh, elle était pas en bio avant, mais on est passé, on, on a pu passer directement euh, parce qu'il n'y avait pas de traitement. C'était juste pour le pâturage, quoi. Ouais. Donc on est, on a ça, ouais, c'était une chance aussi de passer directement en, en bio, quoi. Ok. Euh, Aujourd'hui, vous, euh, vous êtes sur quel statut euh, sur la ferme? Et eh bien, moi je suis du coup chef d'exploitation. Ouais. Euh, et puis Jennifer, elle est euh, saisonnière en fait. Je suis enfin, salariée, oui, pour le moment. Ouais. Parce que toi, du coup, tu es arrivée il y a. L'année dernière, oui. Oui, la sa deuxième saison. Ok. Voilà. Et donc, statut. Euh... Donc, en entreprise individuelle Micro BA, euh, -BA oui. Euh, alors euh, oui, comme on, on est dans les statuts, donc j'ai micro -BA, et puis j'ai une partie d'achat-revente aussi. Donc là, j'ai euh, micro -bic aussi euh, qui, qui sert pour euh, l'achat-revente. Tu peux dire quelle part tu fais en achat-revente Ouais. donc pour l'année dernière, on était à la louche, hein, 100 000 euros de chiffre d'affaires, euh, 55 000 euros de, pour la production et 45 000 euros... Euh, en achat revente En achat revente oui. Okay. Ouais. Donc là-dessus, l'entreprise individuelle te permet de faire, ce, de faire cette part en, en achat revente et donc c'est un statut qui te convient bien. Ouais, pour l'instant, euh, ouais. Okay. Toujours dans le contexte, euh, tu m'as dit tu es sur 46 arts oui. euh, de terrain. Tu as quelle part en serre et comment tu as agencé tes, tes terrains un petit peu euh... Du coup, ouais, 46 arts. Il euh, bah, y a deux serres de. 150 mètres carrés à peu près. Enfin, en tout, il y a à peu près 500 mètres carrés de serre. Euh, bah, la première, je l'ai achetée en neuf, quoi, avec euh, des ouvertures latérales. Et puis la deuxième, euh, bah, j'ai eu la chance qu'un horticulteur parte à la retraite euh, juste dans le village à côté. Donc, euh, on l'a eu en occasion. On l'a installée euh, en 2020. Donc je, me suis, ah oui, ça, je me suis installé assez progressivement en fait euh, sur 46 arts. D'abord j'ai fait la partie gauche quoi en première année comme j'avais pas beaucoup d'expérience. 2017. 2017 on a commencé à bâcher et euh, mettre les amendements et en 2018 j'ai fait ma première année de production et à ce moment-là ouais, j'avais 20 ou 30 arts de cultiver avec une, juste une serre euh, de 250 mètres carrés. Et ensuite l'année suivante j'ai cultivé la deuxième moitié du terrain et l'année d'après j'ai réinstallé une serre, euh, une deuxième serre pour avoir euh, plus de rotation. Parce que tu sentais que tu étais limité avec une serre euh... Oui. Oui oui et puis niveau rotation tomate, euh, tout ça, euh, même dans le label bio, il fallait aussi euh, qu'il y ait une certaine rotation. Donc euh... et puis même euh, ouais je voyais niveau... Euh... Ouais, chiffre aussi d'affaires, il fallait un petit, encore un petit, un petit, un petit gap quoi. Et là aujourd'hui à deux serres, euh, vous êtes ou... Ouais. Ça bah, là, satisfait ou Oui. Là on sort, euh, ouais, en gros deux SMIC, quoi euh, de l'année dernière. Mm. Après, euh, disons globalement on est, on est, on est satisfait. Euh, le cadre est génial. Euh, <laughs> on n'a pas de crédit aussi euh, quand on a commencé. Euh, on a commencé avec euh, ben les investissements de départ, j'avais des économies et j'avais les, les aides de jeunes agriculteurs aussi qui ont bien aidé. Parce que je suis dans une zone ouais, ouais, de montagne, donc on a eu pas mal d'aides. De critères, oui. Ouais. Euh, donc en tout, on a eu 41 000 euros quoi. D'aide D'aide. Ok. Euh, C'est quoi C'est les dispositifs euh, PAC euh, montagne Ouais. Ben à l'époque, maintenant, je sais plus, ça va peut-être changer depuis. Euh, oui, hors cadre familial, euh, en bio et puis cycle euh, commercialisation en, ah oui, circuit, en court. circuit court. Ouais. À l'époque, il y avait ces trois critères mmh. qu'on remplissait. Donc, euh... bah, du coup, ça a donné une assise pour euh, commencer tranquillement, pas avoir trop de pression euh, financière aussi. J'ai juste fait un crédit de 10 000 euros pour avoir euh, du, de la trésorerie la première année. quoi C'était quoi vos, vos investissements alors, les investissements, le gros truc c'était la source en fait, capter la source. Euh, bah, j'ai un peu chiffré, c'est à peu près 30 000 euros quoi. Il y avait euh, bah, le captage, euh, le, on a enterré une cuve de 10 mètres euh, cubes. Et après, il y avait bah, 200 mètres de tranchée, fallait traverser la route. Euh, donc, ça c'était vraiment, j'ai mis toutes mes les économies hein. euh, là-dedans. C'était le plus gros. Et puis euh, ensuite, tout le reste, on... il y avait les serres, euh, l'irrigation, tous les petits matériels. Je crois qu'on peut chiffrer entre 45 000 et 50 000 euros, quoi. le total. Euh... Pas de frais de bâtiment, puisque le bâtiment est familial. Oui. Donc euh, là, il est en location à titre gracieux. Donc, oui. euh, ça, Pas de mécanisation à part la brouette mécanisée. C'est ouais. un prêt, du coup C'est une loque Oui. Euh, non, maintenant, je l'ai acheté. Ouais, ouais. Ouais. T'en avais pour combien euh, en, bah là où je l'ai loué, en fait, chaque année, ils ch il renouvellent le matériel. Donc j'ai pu l'acheter en, en location à 3800, je crois. Okay. C'était intéressant, ouais. Donc au final, euh, installé. En neuf, c'était 5500, un truc comme ça. Installé pour 50 000. Là-dessus, tu as eu la DGA à 20 000 euh, 40, 40 000. 40 000. Euh, la DGA, ouais. 41 000, ouais. Et donc 80% la première année, quoi. ouais euh, les aides de montagne en plus Ou ça fait partie de la Donc tout, il y avait Oui, ouais, voilà. Donc, pris, euh, au départ, j'ai pris très peu de risques. Euh, ça aussi, c'est au niveau financier. Et puis même, euh, bah, situation familiale, j'habitais euh, chez mes parents, donc j'avais vraiment pas de frais à l'époque euh, pour, euh, pour euh, au ouais, niveau de la vie. Et puis les parents, bah, ils aidaient bien aussi aux gens. <laughs> Euh, voilà Si c'est pas indiscret, tu t'es installé à quel âge euh, bah, il y a... bah, 2017. T'avais quel âge J'ai 37, donc il y a 6 ans, 31. Ok. Ouais. Cool. En ayant Christ avant, euh, <laughs> avant voyagé, euh... t'as pas, pas fait d'autres boulots avant euh... Euh, Non, ouais. par mon doctorat, euh, j'étais déjà rémunéré quoi, pendant mon doctorat. Okay. Mais non, ouais. Avant, j'avais pas d'autres de... boulots, quoi. Et euh, du coup, au final, tu as eu 10 000 euros d'investissement à faire de ta poche. Tu as dit que c'était un emprunt Ouais, c'était plus trésorerie. quoi. Ouais. Bah, L'investissement, je l'ai fait de départ euh, pour la source. Donc là, euh, 30 000 euros, euh, j'avais encore 30 000 euros d'économie. Ouais. Du coup, c'est passé dans. J'avais compte à zéro. Mm -hmm. euh, et après, pour commencer, il ouais, fallait quand même pour lâcher acheter des semences, des euh, petits matériels. Il fallait quand même un peu de. D'argent, ouais. pour euh, commencer. Bah oui, pour commencer oui. Et donc aujourd'hui, tu n'as pas d'annuité de... d'emprunt à rembourser Non, euh... non. Du coup, là, on a, on a fini, ouais. Euh, il y a deux ans, je crois. Donc, toi, tu as, as étalé ça sur trois ans Ouais, ou quatre, cinq ans. Euh, non, cinq ans, mais euh, j'ai décidé de, de le rembourser comme ça, j'avais plus euh, ouais. en tête. <laughs> ok. En termes de charges, euh, donc les premières années, tu avais les remboursements Oui qui était euh, élevé à quelle hauteur Le remboursement du, du prêt, ouais. ouais Je ne sais pas, ça devait être dans les 250 euros par euh, mois, un truc comme ça Ouais, ouais je crois. De... Ça t'a pas pesé <laughs> Non, non, j'avoue, non, je n'ai pas... Et après, le reste de tes charges, du coup, ça va être élec, euh, fuel... Euh... Ouais, euh, alors les grosses. Plans, euh, ça a un peu évolué parce que comme tu es jeune agriculteur, ben les charges sociales sont quand même. Euh, tu as une réduction les premières années. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Au début, on se dit, ouais. Mais euh, 4-5e année, ouais, ça commence à faire mal un peu, euh, les charges sociales. Mal faut... combien <laughs> euh, Du coup, moi, je paye. Euh, là, en ce moment, c'était dans les 5500, trucs comme ça, je crois. Okay. Euh, avant, c'était plus dans les 2000, quoi, euh, les premières années. Ça va crescendo, en fait. Quoi, au comme début, il t'aide un peu, c'est un peu diminué, mais bon, au fur et à mesure des années, en fait. Euh, ouais, je... ouais. C'est corrélé à ton chiffre, non euh, En Aussi, partie, il y a ouais. des effets de seuil, un peu, euh, ouais. Comment tu es en micro-BA. Euh... Tu n'es plus au micro-BA Si, si, si. Oui, si. Okay. Ouais, 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 si, si. Mais c'est calculé euh... En fait quand... ouais, par rapport à ton chiffre d'affaires. Ouais. C'est 13% de ton chiffre d'affaires. Et l'assiette de calcul est calculée. Donc aujourd'hui, 5 000 en, en cotise. Voilà, euh, perso, ouais. après encore les charges. Je peux demander combien tu, tu payes, le... c'est un temps plein euh... C'est un temps plein, ouais, mais en saisonnier. À nuit, avril à, a, à ouais. décembre ouais. en oui. Fait. Avril à décembre, à peu près, oui, c'est ça, oui. Mais, euh, je ne sais pas, en cotisation salariale bah, c'est pas mal, hein. c'est pratiquement la même chose qu'un qu salaire finalement qui part. Quoi. Donc, ah, en euh, cotisation salariale En oui. cotisation, ouais. oui. J'ai plus en tête là. Exactement. Cette année, enfin euh, l'année dernière, c'était la première charge, quoi. c'est les cotisations. Mm. Euh, ah bah, euh, en plus du salaire. En plus du salaire, mm. oui. C'est ça. Et salaire, du coup, tu disais, tu sors un SMIC. Oui. Et toi, tu te prélèves un SMIC Ouais, ouais. Enfin, je prélève pas vraiment, en fait. Euh, <laughs> mais, je... <laughs> enfin, comme dit, on n'a pas beaucoup de besoins, donc euh, niveau prélèvement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mm. Euh, ouais. Ça me donne des chiffres Mensuellement, euh, après, ouais, on n'a pas de, de prélèvement automatique, en fait, sur un compte perso. On... Mais, euh, je sais pas, à peu près deux, deux petits SMIC. quoi. Bon. Je pense qu'au niveau des dépenses, ouais, 200. Okay. Ouais. On a un loyer actuellement, donc euh, voilà, on paye à deux, enfin les charges pareilles, tout ce qui est. Électricité. Ah oui, c'est vrai. J'ai <laughs> ah oui, oublié. c'est <laughs> mon premier prélèvement, ouais, ça, ça doit être euh, ouais, 300, 350 euros. Ouais, c'est ça, ça ouais. Tout le reste avance, ouais. ça reste dans l'entreprise euh... Bah ouais. Euh, ouais, là, Il n'y a pas grand-chose. Euh... <laughs> oui, ouais. c'est anecdotique. Euh... Ouais. Tu sais me dire un peu en termes de charge fuel, essence, euh, électricité, semences. Après euh, le deuxième, c'est les semences, ouais. Mmh. Euh, là, ça c'est, je pense que je pourrais réduire, mais c'est parce que je fais des achats compulsifs. <rire> <rire> tu craques. <laughs> Moi, c'est vraiment euh, le truc où j'ai aucune limite, c'est le choix des variétés, parce que j'aime bien voir. Euh... Ouais, c'est plutôt cool. De trouver euh, des nouvelles variétés, d'essayer de nouvelles choses. Et du coup, ce côté créatif, c'est vraiment. Bah, le fait que tu n'as pas de crédit aussi, tu peux te permettre euh, beaucoup plus de choses. Mm. Et on n'achète euh, pas beaucoup. De... Enfin, ce que j'aime bien, ouais, c'est. Quand tu achètes des plans aussi, tu es un peu limité dans les variétés. Dans les variétés, oui. Alors que les euh, semences, tu as on plus fait, de euh, choix. Disons, 80% des plans, on fait nous-mêmes. Donc là, euh, c'est nos limites. Euh on choisit les variétés, on essaye d'adapter ouais. par rapport à, à l'altitude aussi, euh, prendre des choses euh, bah oui. précoces quoi, les variétés les plus précoces, et puis d'essayer de nouvelles choses. Donc à Noël c'est c'est cadeau de Noël quoi ça. <laughs> on ne ouais, je suis pas annuellement ça doit être aux alentours de 2000, 2000 euros voire 2005 quoi ouais, se semances, ouais. en semences en semences et puis ouais, 1000 euros de planches je pense quand même encore euh... ah oui après je suis sur l'année oui euh, parce que justement on n'a pas beaucoup de lumière donc en début et fin fin début et fin d'année euh, on a déjà ici par exemple les, les semis d'épinards ou de mâches, ça, ça a tendance ouais. à filer comme on n'a plus beaucoup de lumière donc ça on achète euh... En début et fin de saison, quoi. on achète pas mal de plants. Et les trucs où je suis pas trop sûr encore euh, de totalement serein sur les plants, euh, genre encore des poireaux, où, euh, je fais moitié-moitié, j'achète la moitié, j'en fais la moitié. Ouais. Je ne mets pas tous les oeufs dans le même panier, disons, pour certains. Le céleri aussi, où je ne suis pas encore tout à fait... Euh, Hein, ouais, sur, allez, tout, ouais, de 3 3005 alors du coup en tout ouais tout ce qui est semences et plans quoi et ouais ça c'est le deuxième poste le troisième c'est peut-être le fioul euh, la camionnette et de la de la brouette ah, oui, carburant euh, ouais un peu 1500 euros disons ouais ensuite on a l'avantage d'avoir le marché uniquement à master quoi on est genre à 5 minutes donc, on ne fait vraiment pas de, de gros trajets pour la commercialisation. La livraison, c'est pareil, ça reste assez centré sur la vallée. Euh, ouais. ouais donc, ça, ça va, quoi. Mais après, si tu as plus loin, allez, ouais. certains, je pense, ont plus de, de charges au niveau carburant, entretien du véhicule et tout ça. Oui, on n'a pas de chambre froide non plus. Donc, euh... Ça non plus, ouais pas une trop d'électricité non plus. Non. Vous avez table de semis chauffée en pépinière. Oui. Ah. Ouais, il y a juste ça en fait euh, qu'on a une petite pépinière ouais, en fait. euh, à chauffer avec des câbles chauffants et des lampes aussi parce que, comme dit pour compenser le manque de lumière euh, au début de saison quoi. Donc euh, ça, ça consomme un peu, mais... Euh, ouais, ça, c'est le ouais, vrai, la période. 300, entre... 400 euros, quoi. Disons. Vous ne dépassez pas les 10 000 euros de charge, quoi. Tout cumulé. Euh, tout cumulé, euh. cumulé peut-être quand même... Euh, ouais c'est entre 10 000, 12 000, ouais, je pense, oui. euh, en termes de charge... Globale. De oui. production, quoi. Enfin, oui. Après, il y a encore le terreau, qui comme on fait aussi des plans pour la vente. On prend quand même pas mal de terreau aussi dans les 1000 euros, je pense, euh, trois palettes. Et après le compost, et ouais, après ça devient le comptable. Mmh. Bon là maintenant cette année on n'en a plus parce que en fait quand on était un jeune agriculteur, j'étais obligé d'être suivi. Mais au micro-BA, t'es pas obligé, euh, une fois que tu es plus jeune agriculteur. Donc euh, on a décidé de faire la compta nous-mêmes. Très bien, donc à peu près 10-12 000 euros de charge, euh, 50 000 euros d'investissement. Euh, tu as posé les bâches en 2017, en 2018 tu as fait tes premières ventes. Ah euh, ouais, du coup la première année c'était assez sportif, ouais. Euh, donc j'ai eu le terrain en septembre. Ouais. Donc là on a commencé à faire les amendements euh, en fumier, en compost. Et ensuite on a recouvert directement des bâches d'ensilage. Euh, sur la, la première moitié de terrain justement. Et euh, après, on a planté pratiquement direct. Euh, bon, J'avais quelques appréhensions en espérant que, que le bâchage soit assez long. Parce que du coup, il a duré de ben, octobre à, à mars avril, quoi. Ouais. Mais avec l'hiver au milieu. Donc l hiver. Est une prairie permanente. Euh, voilà, c'est. Avec des vivaces. C'était un peu. Pas totalement serein. Quoi. Ouais. Donc euh, la plupart des choses, on a rebâché par-dessus avec des bâches tissées qu'on a plantées euh, pour, un, pour être sûr, quoi, pour questions de sécurité. Est-ce que vous euh, avez mis quelle quantité de matière Un euh... ben, fumier, on a mis pas mal, ouais, bien 5 cm. Euh, compost, c'était l'ordre de 2 cm. Ouais. 15 mètres, il y avait 15 mètres cubes quoi sur ouais. euh, 1000 mètres carrés je dirais donc pas très épais donc, tu pas comptais pas, pas là-dessus pour embêter, quoi. non 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 bah, d'ailleurs sur la serre en fait on a, la serre je l'ai mis en je construite en mars donc on a enlevé le, la bâche pour euh, l'installer et là euh, ouais, c'était jaune quoi et ben un mois après j'avais fini de la, la structure ben ça avait repoussé quoi ouais. Donc là, on a mis euh, dans la serre, on a paillé et puis on a mis euh, bâche plastique. Tu euh, ne fait ici, que quoi. du plant sur la première année euh, T'as pas ouais. tenté les semis, du moins pas sous serre euh, J'ai fait quand même la carotte. Euh, là, j'ai passé un motoculteur sur la euh, prairie. Pour contre, détruire la prairie Pour ouais. être sûr, oui. Euh, tu as semé quand, du coup, ta carotte euh, là, je, Au printemps, je ne sais plus exactement, en avril, je pense. Ouais. Donc le bâchage était trop court à ce moment-là tu sais ça repartir ouais, Je pense que ça pouvait passer mais j'étais pas sûr donc euh, je préférais euh, passer un coup de motoculteur et euh, une couche de compost et là j'ai semé ouais, euh, dessus. Dans ces cas le motoculteur tu l'empruntes à un voisin ou tu l'as ici Oui, oui je l'avais emprunté, ouais, c'était ponctuel. Euh, ouais. Je l'utilise quasiment... Bah je l'utilise jamais à part, euh, à part cette fois-ci. Oui. Voilà. Ouais. Okay. <laughs> euh, voilà. Donc, euh, donc tu apportes ouais. la matière, tu bâches, tu fais tes premiers plans euh, au printemps et euh, ta première saison du coup, tu as sorti combien en chiffre d'affaires Sachant que tu étais sur la moitié de ton terrain Ouais, donc euh, la première année, je crois, à peu près 21 000 euros okay. de, de chiffre d'affaires. Et tu étais seul à ce moment-là, à temps plein Seul, oui, avec pas mal d'aide aussi de mes parents à l'installation. Euh, J'ai de la chance, dès le début j'avais aussi des, un, une stagiaire BPROA aussi, dès okay. la première année. Donc il y a, euh, je chiffre un peu les temps de travail, hein, je, du coup il y, avait, il y a à peu près par an 1000 heures d'aide quand même. Par les, par les BPREA Soit et, et l'aide familiale Surtout par euh, BPREA et un, un peu l'aide familiale, oui. Okay. Et ça c'est euh, stable, enfin depuis le début et aujourd'hui encore Ça dépend, oui, c'est un peu variable. Après avec le Covid c'était marrant, on a... On a une augmentation fulgurante d'aide <laughs> au jardin. Dead parce que les gens voulaient sortir quoi. Ouais, oui. Et après ouais, ça il y avait 1400 heures je crois l'année Covid là puis là une nouvelle ouais, ouais 900 900 et, et 1000. 000, ouais. okay. Du coup 21 000 la première année. Ouais. Et euh, les années d'après, donc tu as rajouté la deuxième partie de ton jardin. Ouais. Donc là on était un peu plus, j'ai plus les chiffres tous là, les dans les chiffres. 30 4000, 000, je crois, ou 30 Ouais, c'était un peu moins de 30 000, je crois, là. la deuxième. Et après 36 000, je pense, c'était à peu près ça, ouais. Ok. Toujours euh, à un UTH. Ouais. Parce que toi, tu es arrivé sur l'année 5. Oui. Ouais. C'est ça. 2022, ouais. Et avec. Euh, euh, 30, ouais, après, c'était 36 000, 39 000, et les deux suivantes, ouais, c'était à peu près stable. Parce qu'il y avait à peu près les mêmes euh... surfaces et, et avec et euh, Jen, là, ça, ça bondit à, à 55 000. <laughs> T'es arrivé à quelle année, du coup, Jen 2022. Là, c'était ouais, 55 000, là, tu vois. Le fait de passer à deux sur les mêmes surfaces. Exactement. Parce qu'en fait, vous avez intensifié. Oui. Enfin, on est plus soigné. Moi, j'avoue, les... j'étais un, un peu en rupture, vraiment. Euh niveau de temps de travail, c'était très intensif, quoi. Je pense que es arrivé au bout de ce que tu pouvais faire tout seul aussi. Ouais. T étais quoi, t étais à 70 heures semaine en plein été Ouais, ouais. 60, euh, ouais, 60 heures. Ouais, On, ouais en moyenne, je l'avais calculé, j'étais à peu près à 46 heures semaine lycée voilà, sur l'année, quoi. quoi. Mais ouais, en saison, ouais, ça chiffre vite. Et donc là, 2022, euh, Jen, tu arrives et vous passez le chiffre à 55 000 sans changer les surfaces. Ouais. Et là, 2023, tu as une visibilité un peu de ce que tu vas faire euh, Là, un peu moins, oui. Euh, je pense. Cette année a été beaucoup plus compliquée. Euh... J'ai essayé beaucoup de trucs qui n'ont pas marché. <laughs> un peu trop ambitieux sur les associations. Euh, oui, <laughs> ouais, on fait pas mal d'associations pour intensifier au maximum. Et là, j'ai été un peu trop ambitieux avec l'enderbement. Ça, c'est un truc aussi. Euh, quand j'ai commencé euh, les premières années, j'avais quasiment aucune, euh, ouais, qu aucun temps de désherbage. C'était très, très faible. Je bâchais. Euh, ça suffisait. Euh, bah, je, euh, je faisais mes semis à la volée, par exemple, les carottes, radis. Euh, sans... Après, quand je récoltais les radis, j'avais un peu. Je désherbais vite fait. Quoi, mais... Alors que là, du coup, là, c'est beaucoup plus tendu. Là, cette année, on a galéré. Tu sais l'expliquer parce bah, que j'étais on... un peu moins so... Ben bah, j'étais moins bâches, euh... parce que plus d'associations de culture ouais. euh... et ben bah, on laisse grainer au fur et à mesure des années aussi euh... mm. on est un peu bah, comme j'étais un peu moins soigneux bah, euh... malgré le fait d'avoir été euh, assez euh, soigneux l'année dernière tu vois on a quand même laissé euh, oui. monter en graine pas mal de trucs et après mais ça a explosif quoi l'année l'année suivante c'est ouais, euh, fou quoi exponentiel ouais. quoi et avec les apports je sais pas aussi de de fumier ou de tonte ah oui bah ça aussi il y a des graines aussi euh, dedans un peu, euh, ouais. dans la tonte euh, donc euh, ouais donc on a un peu plus galéré et hum. euh, on avait peut-être un peu moins d'aide aussi et euh, non, et tu non. pouvais faire un peu moins vu que <laughs> ouais. étais enceinte donc oui. euh, Ouais, c'était un peu plus compliqué cette année. Donc euh... bah le temps aussi, il hein, faut voir, le 2022, c'était vraiment très sec et chaud. Or, euh, comme ça, à vue d'œil, on se dit, euh, ouais, c'était galère euh, pour, pour l'agriculture et tout. Mais on trouvait quand même que euh, quand tu regardes les années euh, plus ou moins normales, c'était quand même une année qui était plus gérable euh, pour les légumes, en tout cas. Si, si tu avais de l'eau, hein, <laughs> on est d'accord <laughs> Mais par exemple, les tomates, euh, c'était euh, énorme le, le, le rendement en tomates anciennes. Et, et ça, c'est voilà, un des premiers euh, oui. ouais, sur le marché. Ça se vend bien. Et, donc, ouais, ça a aidé aux chiffres, je pense. Euh, mais en tout oui. cas, ouais, c'était plus rentable une année sèche-chaude qu'une année froide-humide. Oui. Et là, cette année, ça faisait un peu des, des yo-yo. Alors, il y a des plantes qui n'étaient pas, pas d'accord. Donc, donc, là, du coup, vous pensez, pensez à passé à quarante 000, ouais, je, franchement, je, la saison n'est pas je, finie. Ouais, 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 ouais peut-être cinquante ou je ouais. sais pas. Bah, un peu moins, enfin, ouais, mais avec vos dix mille euros de charge On, on a pas, pas, pas mal compensé avec les restaurateurs euh... aussi, je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop de visibilité, bon, mais euh... ce sera un peu moins bien, je pense. Ouais. tu un peu connu comme le loup blanc dans l'est pour le gars qui note toutes ces heures. <laughs> Et euh, je te demanderais bien comment tu fais, comment tu tiens cette rigueur, et c'est quoi tes outils. Mais si, si as des, des réponses là-dessus. Bah ben ouais, à chaque fois, je, ben en fin de journée, j'estimais à peu près. Euh, ouais, c'était à l'ouche quand même, euh, le, tous les chantiers que je faisais. Et puis, euh, enfin non, pendant la journée, je prenais le réflexe de regarder l'heure et euh, de regarder. Et après, mais ben c'est sûr que peser, on prend ouais, au moins une demi-heure à peser toute la tout ce qu'on qu hein. sort quoi donc je notais euh, ouais je notais comme ça en fin de journée euh, j'avais un peu en tête les chantiers qu'on a fait combien de temps combien de personnes et, et voilà mais ça prenait trop de temps et trop de, trop de place dans, dans mon cerveau ouais et écoute avec quoi avais un fichier Excel avec ouais. euh, temps de travail poids en plus c'était euh, ouais, crois... trop mal organisé parce que euh, je faisais tout je notais tout sur un papier et euh, en fin d'année en fait je reprenais quoi et ça prenait trop de temps. Tu une semaine à faire tes tableurs. Mais ouais, exactement. oui, exactement. Et bah, du coup, je sais pas, j'ai pensé à un système, mais genre, il faudrait un dictaphone ou... ou quelque chose qui retransmet direct sur le. Ça, j'ai pensé, mais je n'ai jamais. Les montres, là, les montres de sportifs chronométrés. Ah ouais. Contre <laughs> ouais. le nombre de fois que tu, tu fais transcrire euh, sur Word. dès World, que tu parles, genre, chose, ouais. euh, 5 minutes, euh, paillage, je... ouais. et hop, cette sur Word, ça sera génial. Ça. Bon, on l'a fait jusqu'à l'année dernière quand même pour voir, pour estimer euh, en fait les temps de travail du coup, mais à deux quoi. Ouais. Parce que lui il l'a fait pendant cinq ans aussi. Ah, l'année dernière on l'a encore fait. Hein. Ah si si, je voulais quand même voir euh, <laughs> la différence. Euh. Mais ouais, cinq ans tout seul, mais une année à deux, c'est quand même, enfin, euh, je trouve intéressant de voir euh, comment ça évolue. Euh. Et alors Cette année on l'a pas fait. Ah. On travaille, ben, du coup il y a plus d'heures travaillées soit tu travailles genre 39 heures je crois un truc ouais. comme ça par semaine en moyenne mois, en moyenne ouais quand même, euh... un peu moins mais que d'habitude moins que d'habitude mais pas de temps finalement pas de temps ouais. non parce pas... il fallait quand même dégager de salaire donc euh... ouais tu peux pas te permettre de <laughs> ouais après le temps de commercialisation était peut-être aussi euh, mieux dispatché parce que bah, moi je faisais souvent les marchés toute seule euh, les petits du mardi et, euh, et lui, pouvait rester au, au jardin. Et c'était... Ouais, on quand même. Par exemple, le mardi, avant, les stagiaires, je ne pouvais pas les encadrer, quoi. Voilà, par exemple. aussi. Du coup, ça a aidé mmh. des choses comme ça. On arrivait bien... Euh, il y avait plus de roulement et plus d'efficacité. Oui. Mais sinon, c'était à peu près égal, mmh. quoi. Par catégorie de, de, de chantier, je veux dire, on avait toujours... Euh, Autant de temps euh, pour la commercialisation, par exemple les plantations. Je ne sais pas quels étaient les chantiers ah oui, les plus, chantiers plus, 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 plus importants là, en termes d'heures. Là, je crois que la première, c'est la, euh, la récolte, un peu plus qu'un quart du temps. Ensuite, il y a la commercialisation, c'était aussi à peu près un quart. Ouais. Et ensuite, il y a les semis, euh, semis-plantations. Et après le dernier, ouais, il... le dernier quart, il y avait plus euh, désherbage, paillage, administration, ouais, planification. Truc. Communication. Il ouais. fallait euh, définir un. Que vous Certainement que vous l'avez déjà fait. Un objectif euh, de système qui tourne bien. Euh, vous êtes deux dessus sur euh, donc à peu près 5000 mètres carrés. Mm. Du coup, ouais, l'objectif, là euh, au... il a un peu changé quand je me suis installé. C'était vraiment de de pouvoir montrer qu'en MSV ça pouvait marcher, on avait cette, euh, cette flamme. Euh, voilà, on avait envie de, de pousser au maximum le système, euh, voir ce qu'on arrive à produire au maximum. Quoi. Et là, on, a, bah, on grandit aussi et bah, maintenant on est à deux. Donc on a des attentes un peu, un peu différentes. Et moi, maintenant, c'est de diminuer un peu le temps de travail, de, de pouvoir plus profiter euh, bah, de la vie de famille qui, qui nous attend. Mmh. Et ouais, donc ça, c'est important. Et du coup, là, on est en train de s'organiser euh, ben pour prévoir un peu les itinéraires l'année prochaine, euh, moins compliqué, moins de désherbage, donc avec plus de bâches, un peu. Euh, bâches euh, bâche bâche tissées, prépercées euh, et plantations, quoi, pour éviter de perdre trop de temps au désherbage. Et bon, j'ai pas encore euh, finalisé le planning pour l'année prochaine, mais peut-être faire... Euh, D'enlever certains légumes qui sont pas tellement rentables et qui prennent beaucoup de temps, quitte à le faire en achat-revente. quoi C'est euh, ouais, vraiment mmh. l'objectif de, de se dégager du temps, essayer de faire euh, peut-être sur une plus petite surface, mais mieux, avec plus d'engrais verts aussi. Euh. Tu gardes un objectif économique en termes de chiffres ou... Ce sera moins la priorité, ouais pas vraiment d'objectif en termes de chiffres. Ok. Euh, et en, tu dis en réduire le temps de travail euh, Tu arrives à mettre des chiffres derrière ça Genre passer de combien à combien euh Ouais, je n'ai pas trop quantifié encore euh, la chose, quoi. Ouais. Mais. Euh, ouais. Bon, déjà, qu'on est passé à deux, j'ai déjà pu me dégager un, un peu de temps. Avant je travaillais souvent les, les dimanches. Euh, là c'est vrai qu'on a quand même, euh, quand même un peu plus de temps. Euh, on se prend, Heureusement. On se, prend, <laughs> on se prend trois semaines en... Trois semaines de vacances en janvier. Et puis euh, une petite semaine là euh, bah, la semaine prochaine en octobre. Ouais, ouais. C'est euh, ouais, déjà une progression quoi. Oui. Après, en termine là. là ben, on attend de voir avec le bébé comment. Ça va être un peu freestyle <laughs> en fait. <laughs> c'est la surprise. Comment, on on comment est-ce qu'on qu va faire Ouais. Mais euh, bah après, le but financier, je pense, c'est quand même de pouvoir continuer à, à être, euh, je dirais, indépendant, de ne pas devoir euh, faire de crédit et autres et de, de pouvoir en vivre quand même confortablement. Mais. Comme oui, on dit, a, après on n'est pas très on a pas trop de charges ouais, personnelles. on a des légumes à volonté ouais. ah ça change tout hein, pour le budget <laughs> on te fourni en viande des fromages avec le voisin ouais, <laughs> presque. on fait des trocs et... ouais mais ouais je pense que à peu près 2 000 euros à deux ou même à trois tu vois c'est c'est euh, viable en tout cas pour, pour nous je pense et comme dit on n'a pas d'emprunt ouais pas de pression aussi. ça aussi au marché gros, euh, je voulais pas contrat. avoir ça quoi. de devoir euh, vendre absolument pour euh... ouais. donc tu parles des marchés euh, c'est quoi vos circuits de commercialisation et eh bien, du coup c'est le ouais, je sais pas 90% ouais, c'est le marché quoi ouais. on fait de... deux marchés euh... par, enfin, semaine. Le... par semaine ouais donc euh, le mardi et le samedi ah ben, juste en, au village à côté donc des deux à Oui. Ouais. Okay. à deux minutes quoi d'ici donc euh, c'est vraiment euh, idéal et le, en été on fait un petit marché euh, le soir le vendredi soir euh, aussi euh, un petit marché d'été quoi ouais, c'est un marché estival genre semi nocturne alors tu as plein de d'autres artisans euh, de, de la petite restauration des animations musicales donc ça ça, ça attire un peu plus de gens, tu vois. C'est pas les, les, les clients qui vont venir exprès pour, pour acheter et faire leurs courses, mais en même temps, ça fait connaître un peu plus, euh, on va dire, en dehors du marché, des gens qui nous connaissent déjà parce qu'ils cherchent le côté bio local. À côté, voilà, tu as le côté touriste et euh, vacancier qui se promènent. Vous faites cinq fois plus de chiffres sur les marchés nocturnes estivales que sur mais les marchés. Non, <laughs> même pas. Non, justement, les gens de sont ça, pas non. là pour. Euh, Ouais. Pour consommer, en fait. Ils sont là pour, euh, pour manger, boire un coup, ouais. et puis. Ils achètent des fruits ou. Ouais, a voilà. Pas forcément ouais. des légumes. Pas forcément. Beaucoup, non, beaucoup. Pas le plus gros marché, en tout cas. C'est quoi vos, vos chiffres de vente moyenne euh, sur un marché assez... Ça dépend de la, de la, de la, la saison. Vous euh... vendez toute l'année Du coup, de février à décembre. Février-décembre, ok. Janvier, du coup, fait une pause. Et ouais après, c'est ce qui est bien, c'est que ça suit vraiment euh, notre production, quoi, parce que c'est assez touristique à Munster Et euh, du coup, en été, c'est vraiment là où on fait le plus de chiffres. Il y a ouais. pas mal de touristes, en plus des locaux. Donc euh, là, euh, au marché, le mardi, on va à 800 euros. Et puis jusqu le samedi, c'est presque 2000. Presque 2000, ouais donc vraiment en pleine saison après ouais, on peut diviser par deux voire par trois mmh, euh, en quoi. saison basse oui. Ouais. Ouais, ouais. il suffit qu'il pleuve n'y a plus personne enfin plus grand monde qui sort quoi et, euh, et le marché du mardi divisé par trois ça vous fait 200, euh, 200, 200, 200 300, 300, 300 euros, euh, 300 euros. Euh, mmh. et vous y allez quand même pour euh, 300 euros ouais ouais c'est parce que euh, c'est vis-à-vis de ceux qui viennent vous acheter, ouais, c'est vis-à-vis de la place que vous devez garder, c'est. Euh... Ouais, c'est ça aussi, la place. Bah, c'est surtout, ouais, le fait de, de garder cette présence, parce que si une fois t'y vas pas, tu vois, les gens, et c'est normal en vrai, hein, c'est, mais si, si t'y vas pas une fois, bah, ils reviennent pas, ou alors ils ont tendance à aller voir ailleurs, et finalement, ce, puis tu te dis mon bah oui. si eux ils viennent moi je viens aussi tu vois si déjà ils sortent de chez eux ils sont courageux faut l'être une... aussi on fait aussi une grosse coupure quoi et euh, en hiver c'est vrai que le maraîcher euh, à côté là il se fout de ma gueule euh, il fait pas de coupure lui euh, non, il y a tout ah le, le temps euh, peu importe l'ancienne la, école ouais, euh, ouais. tu dois être là euh, un quoi qu'il qu pleuve qu'il vente euh, ouais tout donc, euh, oui, oui, après, voilà, c'est ouais, par respect des, des clients aussi euh, réguliers euh, mmh. qui, qui nous soutiennent aussi. Ouais. Et du coup, euh, est-ce que vous faites que des marchés où il y a d'autres circuits de vente un peu Après, ouais, peut-être ouais, 10% qui restent, c'est un peu euh, les petits magasins euh, en bio, du De, de Minster, des épiceries, euh, puis les restaurateurs. Vous en avez combien hein soit dépenses et ouais entre 3 4 3 4 euh, ouais, restaurateur. Un bio restaurateur ah, un magasin ouais. bio et on a 10... deux ah en tout ouais ouais, ouais et puis après tu as, as quelques ouais, restaurateurs une dizaine de personnes en fait c'est très ponctuel nous. Ouais, ce est, quand on ce qui est est petit ce qui est bien c'est qu'on commercialement on peut refuser euh, oui. du coup on leur a dit nous les tous les alors, aux restaurateurs, ou euh, aux épiceries nous notre priorité c'est au marché et si vous êtes d'accord, quand on a des surplus, euh, on vous appelle. Quoi. Ouais. Et du coup, euh, bon, on, ceux qui ont accepté de fonctionner comme ça, euh, ça nous permet d'écouler euh, quand on a des. Quand on mais a on un surplus, quoi. Ouais, mais on donne la priorité au, au marché, au marché aux clients du marché, quand même. Y a, ouais. Donc euh, vos 10% restants, euh, l'idée, c'est vraiment l'écoulement du surplus. Ouais. ouais. Et puis, euh, il ouais. y a aussi. Euh, en supermarché là qui nous prennent aussi euh, ah oui sur Munster. Euh, sur oui. ouais. aussi ils prennent aussi mais pareil ponctuellement c'est c'est en fait c'est plutôt nous on va vers eux c'est pas eux qui nous appellent ouais on a besoin de ça et ça cette semaine ce, ce fonctionnement pourrait pas en fait on pourrait pas subvenir à, aux besoins même aux restaurateurs quoi s'il te faut 50 salades semaine c'est impossible de produire autant et d'avoir le marché à côté donc c'est nous qui les contactons une fois par semaine, on leur envoie un petit message, voilà on a ça, 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 ils nous envoient leur liste et ça nous permet nous de, de pas, enfin euh, voilà, dans, dans les pics de production, de découler le stock. Et après bah, pour les restaurateurs c'est cool parce qu'eux ils travaillent que des produits de saison, frais et, euh, et ça change toutes les semaines. Donc c'est ouais, top, c'est un bon fonctionnement. Toi. <laughs> et donc euh, vous jetez rien euh, quand même, euh, D'après les calculs, on mmh. est à euh, quand même 20% de... en poids. Mmh. Bon, c'est surtout dû aux courges, aux courgettes, euh, ouais, tout, les, les, les légumes court. qui pèsent lourd. Mmh. Et on a des fois du mal à. ou qu'on a de la perte au champ ou euh, en commercialisation, quoi, les deux. Après, on, est, on fait un peu de produits transformés, ce qu'on arrive. Ouais. Mais c'est. Ouais, c'est vraiment anecdotique. C'est pas, euh, pas énorme. 200, 300 pots. Ouais. Tu pèses tout, même ce que tu laisses au champ Euh, non. Je pèse, euh, ouais, ce qui est, est présenté sur l'étal, quoi. Mm, okay. Donc, euh, oui, avec les fans. Ou, euh... ouais, je pense par exemple euh, euh, aux courges qui se feraient grêler, euh, aux dégâts rongeurs qui sortent pas forcément du champ. Et... Oui, non, ça c'est pas pesé. Ça ouais. c'est pas pesé. Mm. Ouais. Vous, faites, euh, vous avez une, une stratégie de communication particulière. Comment vous faites pour que les gens vous achètent chez vous, au marché et pas ailleurs Il n'y a rien à faire. Vous êtes bien implanté dans le pays euh. ouais, je... Ouais. ouais, je pense. Euh, ouais. J'étais plutôt, plutôt du côté du sang cliente hein, pendant les premières années chez Tivo, du coup, Je pense qu'il enfin, il a été vraiment bien accueilli dès le début dans la vallée parce qu'on a un peu cette mentalité qui est bien implantée du, du consommer local. Et, euh, et une partie bio, bien sûr, euh, après, voilà, il y a toujours euh, pour et contre, mais euh, euh, le fait d'être le seul maraîcher, euh, dans, dans tout, après, c'est qu'en pleine, quoi, donc vraiment, dans la vallée, c'est le seul. Et quand, quand il est arrivé, vraiment, c'était euh, fou, quoi, dans, dans la non, mais c'est vrai, hein. c'était genre, ouais, un maraîcher, quoi, qui s'installe, c'est génial et... Et malgré le, le tout petit stand qu'il avait sur le marché, les gens ont, ont tout de suite adhéré vraiment vraiment à fond quoi et, et sont restés fidèles. Il euh, y, y en a enfin voilà ils sont ils sont là depuis le début ils sont encore là. Et et euh, du coup, au, au début, je ne enfin, sais pas si toi, tu as eu besoin de beaucoup communiquer. Euh, un peu, oui. Peut-être mais... forcément euh, pour démarrer. Oui, et... comme tu dis, il ouais, y avait un terreau fertile disons, ouais. dans, dans la vallée. Bah, on on l'attendait, quoi <laughs> il fallait qu'il y en ait un qui et... s'installe. puis le fait d'être du pays, d'être chez toi, certainement qu'il y en a beaucoup qui te connaissent. Oui, oui c'est vrai que ça a joué, je pense, euh, de bien s'intégrer dans... dans son territoire, ouais, c'est important. Après, pour commencer... Euh, L'effet que j'ai vu aussi, c'est faire un, un article dans le journal. J'ai été étonné du, Les locaux, ouais. du. Le papier, il a encore. Euh, vrai, ça a eu un impact euh, quand même. Munster, combien d'habitants Quel moyenne d'âge euh, Alors, c'est. À peu de près de 5 000. Hein, 5 000 habitants. Je crois. Moyen d'âge, je ne sais, sais pas trop. On a beaucoup de clients, c'est des, des petits retraités, ouais. D'où le fait que la, la de coupure de papier jeune. passe. Ouais, ouais, ouais. je pense. Et après les ouais. autres clients, ouais, c'est des, souvent des couples qui, qui veulent bien manger pour leurs enfants aussi. On de jeunes couples. Ouais, on, on voit de, de plus en plus les, les jeunes jeunes parents et mmh. jeunes couples. Ouais, ouais. Okay. Et ouais, après on a une page Facebook quoi, mais ouais. pour communiquer un petit peu. Euh... Ça vous prend du temps bah, moi j'aime bien un euh, peu, mais... prendre les photos. En fait euh, j'aime bien prendre une demi-heure dans le jardin et prendre des photos de ce qui se passe. Ça permet de prendre un peu de recul aussi. Par jour, par semaine, par mois ouais, 30 minutes par semaine, par semaine, hein, semaine à ouais. peu près. Oui. Mmh. Et euh, du coup ouais, ça permet de communiquer aussi voilà, vers ce qu'on fait. Euh, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte du tout le travail derrière. Mmh. Et des fois c'est bien de communiquer. voilà... Euh, on a récolté ça. Euh, euh, ouais, voilà, de, de partager un peu les. Les premières tomates, les... Et ça réagit de l'autre côté. Enfin, C'est difficile de savoir. Mais... Ouais, mais des fois, ça ah, m'a étonné ouais. aussi. Euh, par exemple, qu'on a beaucoup d'une production, euh, l'année dernière, c'était quoi euh, où il y a deux ans, il y a beaucoup de brocolis qui sont arrivés d'un coup. Euh, du coup, voilà, j'ai mis un petit poste. Euh, Wow, on a pas mal de brocolis et finalement, ça a été réactif au marché quoi mmh. du coup euh, les gens se sont dit ah ouais euh, j'ai été étonné ouais du l'efficacité ouais. euh, ouais. c'était une certaine quand même ouais un petit peu quand même ouais, ça joue euh, ouais du coup c'est pas mal ouais l'année dernière on a aussi commencé euh, une journée porte ouverte au mois de mai yeah. donc c'était c'était la première euh, la première fois ouais. ça c'est pas mal au euh, niveau com parce que ça rapproche un peu des des clients qui d'habitude nous voient que euh, voilà sur, sur le marché euh, voilà en tant que commerçant ils voient pas vraiment ce qu'il y a derrière euh, bon après certains connaissent euh, voilà le jardin ou le terrain là où on est mais, mais sans plus quoi sans savoir les, les techniques utilisées ou ou bah comme dit les temps de travail ou les, les choses comme ça et là euh, c'était euh, vraiment chouette, c'était vraiment un moment de, de partage. Alors on avait fait un petit barbecue, euh, voilà, des, des petits gâteaux faits maison. Des, et, et toute la journée, et les gens ont été vraiment... Euh... Des visites, il y avait trois ouais. visites, ouais. euh, à chaque fois, il y avait cinquantaine de personnes. Euh... Ouais. Ouais. Sur chaque euh, créneau, quoi. Ouais. Okay. Donc à peu près ouais, 150 personnes cette année. Comment tu fais rentrer 50 personnes dans ton jardin <laughs> Ouais, ils se promènent hein. ah, du coup ils sont obligés de, <laughs> de le, suivre. Pro le problème un peu ouais, c'est qu'il n'y a pas de place de parking ouais. tellement comme ouais. c'est en pente ils devaient tous monter donc, à il pied ils devaient faire une petite promenade on mettait le parking en bas bah, bah ouais bah, on a eu de la chance sur les deux coups il faisait beau hein. mais ouais ça, par exemple tout seul j'aurais pas été capable d'organiser quoi ah, il y a bien. les familles des deux ouais. de nous deux qui, qui nous ont aidés et tout donc c'est vrai que... c'était super ouais. Oui, pour communiquer, c'était bien. Ça, c'est vraiment. On fait bon ça merde. au printemps aussi. Euh, donc, on vend des plans aussi. Donc ça... oui. Moi, je pense que ça rapproche euh, vraiment. Il y a ce côté, euh, je pense, euh, après, je parle comme dit nous voix en tant que cliente, hein, mais, <laughs> mais ce côté sympathie, je pense. Euh, euh, tu t'accroches à des produits, mais tu t'accroches aussi à une personne euh, derrière, tu vois. Vraiment, euh, ce côté euh, bah, voilà, sympa, avec qui tu peux discuter. Euh, et que tu te sens tu te sens un peu proche quoi le commerçant qui va être juste là pour vendre et merci au revoir bah ça, ça dépend après hein, ça dépend des profils mais mais euh, bah oui et beaucoup ça... de gens étaient friands des de conseils de, de ouais, jardinage conseils aussi de comme jardinage. dans la vallée hein, beaucoup qui ont leur jardin ouais. voilà ils s'intéressent aussi au maraîchage sol vivant on euh, commence à bah ouais. introduire le fait que bien de euh, on a des bons retours hein, parce qu'il y a des clients qui nous disent ah ouais on a mis de la paille on a mis ça ça marche bien bon, diffuse ça, ouais, <laughs> ça fait plaisir c'est bien. Ouais. C'est bien ça m'a à une chose que tu as évoqué plusieurs fois euh, tu vends tes plans euh, du coup j'imagine tu les vends à tes clients et tu les formes en même temps. Euh, ça te prend du temps de faire des plans en plus C'est quelle part de ta production en plan C'est quelle part de ton chiffre Comment ça s'organise un peu toute cette production de plans ouais. euh, Du coup, ben, ouais, j'organise... Ouais, euh, comment dire ouais, je, je fais mes plans et en plus, euh, ouais, de des, des clients. Après, je ne saurais pas chiffrer exactement le nombre de plans quoi, euh, exact que je fais en plus. Mais tu doubles en gros, en ch... ouais, je... ouais, je double. Ouais, ouais. ouais facile. facile. <laughs> Facilement le <je> double. <laughs> ouais. Ouais, du coup, ça représente euh, à peu près 4000, 5000 euros de, de chiffres. Chiffre. Ouais. Euh... Ça fait un produit d'appel euh, au ouais. printemps ouais, ça, Oui, quand on n'a encore pas tellement de légumes euh, mmh. au printemps, c'est intéressant. En Après, charge terreau, tu disais c'est 1000 euros Ouais, ça demande. Bah, du coup, plus de terreau, c'est sûr. En temps de travail En euh, temps de travail, c'est difficile à estimer parce que est sûr, il, la contrainte, c'est qu'il faut vraiment être euh, là tous les jours. Hein, les plants, il faut vraiment être soigneux. Donc, euh, c'est des arrosages. Euh, ouais. assez, enfin, ça ne prend pas tellement de temps euh, en soi, mais il faut être là tout, tous les jours. Euh, une ou deux fois, il faut arroser par jour, ça dépend du temps. Mais tu le ferais pour tes plants de toute façon Oui. Je le ferais, oui, c'est vrai. Après, c'est oui. plus le rempotage, je pense, oui. qui nous prend plus de temps. Oui, c'est vrai. Sur, euh, bah, maintenant, on le, on le fait de toute façon pour, pour nos plants, mais, mais comme dit, euh, fois, fois deux oui. ou fois deux et demi, moi, je dirais même, euh, oui. pour la commercialisation des plants. Et là, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Les tomates, on les rempote remporte deux fois. Donc, c'est... Euh, puis après, euh, ouais, la place, mmh. <laughs> ça aussi. Ouais, niveau pépinière, j'ai... Un peu ça nous, mais ça, ça ouais. nous fait perdre beaucoup de temps aussi. Bah, J'ai une petite serre chauffée donc de 12 mètres carrés. Quoi. Euh, et ensuite, il euh, bah, y a 50-60 mètres carrés, je dirais avec le ouais. dôme et la petite serre. Mais du coup, il y a deux endroits différents aussi. Donc, euh, plus de temps de gestion. De, de, de manutention. De dans la petite serre chauffée, hein, au printemps, on ne peut presque plus passer. C'est... C'est un peu de l'équilibrisme. Donc, euh, niveau ouais, ergonomie, ce n'est pas, pas top. J'ai vu, vu un système de couche chaude aussi sous tes serres. Euh... Oui, ça, ça aide aussi. Euh, je le mets en place euh, fin février, début mars. Ça, c'est pour tes serres ou tu fais des plans aussi dessus Je mets des plans aussi dessus. Euh, ouais, surtout pour les, les plans qui ont besoin de, de pas mal de chaleur. On a encore un hiver à. Sortie d'hiver, début de printemps assez rigoureux, donc euh, voilà, on fait des, des couches chaudes dans la serre où on met les plantes de tomates. Et là, c'est il euh, bah, y a un centre équestre qui est à 200 mètres en bas là, qui, qui fournit le, le fumier en échange d'un panier de légumes. C'est cool. <laughs> j'ai entendu fumier, j'ai entendu compote, j'ai entendu tonte, j'ai entendu broyat T'as toujours eu ça, ça a évolué, il y en a combien C'est quoi les beaux euh, bah, du coup on, est, ouais, on a de la chance ici, on est assez bien fourni en matière organique. A, bah, au début c'était plus euh, bah, le voisin et le centre équestre qui fournissait le fumier. Quantité euh, C'est une remorque de à l'automne. Euh, je sais pas moi. 6-7 mètres cubes quoi je dirais. Qui te sert du coup pour ta couche chaude non, euh, l le, pour oui. le fumier de cheval, ouais. oui. Donc, euh, ça, je mets dans la couche chaude. Et euh, fumier bovin, plutôt pour ce qui est courge ou euh, pour l'année d'après. Pareil, une remorque. Ouais. Et il livre euh, Ouais, au début, ouais. Et puis maintenant euh, Maintenant, je m'en passe un petit peu, ouais. Je ne fais plus trop de fumier. De... Il en a beaucoup besoin pour, euh, pour, pour ses prix, en fait. Donc, il est un peu limité aussi. Et donc, euh, échange contre panier de légumes ou euh, tu as dû lui acheter euh, Non. Euh, non, c'était. Tumis, ça ouais. <laughs> c'est le fumier. Fumier, donc au premier euh, première année. Euh, et c'est première année, il y avait beaucoup plus de paille, donc j'achetais aussi aux voisins, par contre les, les ballots de paille de ronde. J'avais pas encore de contact avec euh, des paysagistes. Ça c'est venu au fur et à mesure que je me suis installé. Euh. La paille, tu l'as payée combien du coup, c'était 30 euros, maintenant 30, plutôt 40 euros la botte livrée. Quoi, et tu utilisais genre. combien de bottes pour 100 000 m2 Au début, 5, 6, peut-être 8. Ouais, je, je, dans, ouais pas, pas énormément. Ouais. Mais... Et puis du coup, as, tu ensuite, as découvert les paysagistes Ouais, du coup, progressivement, je me suis fait connaître aussi dans la vallée. J'ai lancé des appels des fois par Facebook aussi et des copains qui sont devenus copains qui voilà euh, du coup qui me livrent euh, non je, je passe plus de tonte et de broyat quoi et là c'est un peu dur à chiffrer mais je dirais dans les 50 mètres cubes de chaque quoi dans l'année à peu près que toi tu vas étaler au compte-goutte ou euh... Euh, ouais au fur et à mesure des livraisons c'est un peu aléatoire euh, du temps aussi hein, mm. s'il pleut euh... Y a plus de tontes. Tu ne centralises pas tout à l'hiver au moment où t'as le temps Non, c'est vraiment quand ça vient, quoi. Quand ça vient, Donc, euh, ouais. Pareil, ils te, l'apportent, c'est gratuit. Ouais. Oui, oui, bah, eux, ça les arrange ouais. parce que ils doivent payer la, la le retraitement de, en compost, quoi. Donc euh, c'est tout bénéf. Euh. Et, et du coup, t'as pas d'espace de déstockage où ils mettent tout, c'est dans ton chemin à l'entrée, quoi. Non, j'aimerais ouais, bien ouais, d'avoir un peu de stockage, mais vu le terrain en pente, il n'y a pas trop de place euh, pour stocker sur une plus longue période. Mais idéalement, euh, si tu étais euh, dans, hypothétique hein, sur un terrain à plat avec de l'espace autour, euh, pour euh, fonctionner avec ton système, il te faudrait quelle surface de stockage pour que les paysagistes puissent venir euh, tout poser là, et puis toi, après, tu t'embêtes pas et tu t'en sers quand tu veux. Ouais, C'est une bonne question, ça. <laughs> ouais y ouais, a ouais, un peu de place quand même. Il faudrait vite euh, quelques arts, quoi je sais pas. Une petite plateforme, ouais. pas. Ouais, une centaine de mètres carrés. Ouais. Après ça dépend de l'intensité ouais, où tu... En général, je paille assez vite quoi dès que j'en ai, donc euh, je sais pas s'il si m'en reste très beaucoup pour faire un gros tas. Quoi. Ouais. Et le compas du coup et le compost, euh, on utilise 15-20 mètres cubes par an. Et on, est, euh, on paye à une, enfin, une plateforme de compostage, je ne sais plus, ça doit être dans les 20 euros le mètre cube, un truc Non, peut-être plus, hein, 28. Je ne me souviens pas, l'année dernière, je ne me souviens pas. C'est livré ou c'est vous qui avez cherché C'est livré. Oui. Okay. Ouais. Mais ouais, c'était assez conséquent comme budget quand même. Enfin, il ouais, y avait. Ouais, c est, c est, euh, deux, tu payais combien deux, 250 deux. euros les 7 mètres cubes, quoi. Sachant qu'il y en avait trois donc. Euh, ouais, presque 750-800 euh, ouais. euros, quoi. Ouais. Par an. Et vous en faites quoi, du coup C'est euh, petit semis euh... Ouais, bah du coup, c'est plutôt pour avoir un bon lit de semences, euh, essentiellement. Et là, cette année, on n'en a pas utilisé. On a de bon, bonnes analyses de sol, donc on a essayé de faire 100 Mais ça aussi participé, je pense, à... En un moment. C'est bien, au moins, vous avez testé. Ah bah oui. Et... Euh, tu sais me dire un peu c'est quoi comme compost C'est déchets verts. Des ouais. déchets verts euh, bien mûrs ou euh, en cours de compostage ouais, J'essaye de lui dire euh, assez frais. Après... Euh... Pas toujours le cas, ouais. C'est criblé. Ouais, 20... 20 mm, je crois. Okay. Tu parlais, je posais des questions sur l'eau oui. <laughs> de ta source. Euh... J'ai entendu que tu avais trois barres en pression juste par gravité en termes de débit. En débit. Je n'aurais pas chiffré exactement, mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'en été, 10 mètres cubes, je la, je la vide presque en une journée. Parce enfin, que, que du coup, ta source remplit ta cuve ouais. et toi, tu récupères l'eau de la cuve pour arroser. C'est ça. Donc, tu n'as pas assez de débit pour arroser en direct de la source. Non, non. c'est En gros, je remplis euh, en plein été, quand il fait sec, je remplis 10 mètres, mètres cubes en une journée. Quoi. Ok. Donc c'est vraiment plein été, c'est un peu tendu quoi. Et donc tu utilises 10 mètres cubes jour Ouais, quand il fait vraiment euh, chaud quoi. Après ici on a une bonne pluviométrie en printemps automne, donc il n'y a pas. Ouais, on a um, 1100 mm je crois. Donc, euh, mais c'est mal réparti quoi. <laughs> ça. Et on était du coup euh, limité à 10 mètres cubes, ça vous est arrivé d'arroser avec l'eau du réseau du coup euh... Non on pas vous pas était pas raccordé. Euh, mais des fois c'était un peu tendu, ouais. en pépini, même pas. Mmh. La pépinière même pas Non non, même la maison n'est pas raccordée euh, elle raccordait une autre source. Donc il y a pas de réseau et ouais, pour faire monter là, euh, c'est un peu Mais du coup, ouais. euh, l'eau de l'autre source vous sert pour la pépini Non on non non jamais l'eau de la maison on, on pour a de, le jardin. De, ouais, de, de dispatcher parce que comme ils sont en plus loués en gîte, pas que on utilise toute l'eau, ils ont plus de douche ou <laughs> un truc ouais, comme ouais. ça, ça donc ouais. on a essayé de différencier les réseaux pour ouais. pas avoir ce, ce risque. Ah ouais, L'année dernière, c'était un peu tendu. Ouais, il y a des semis qu'on a arrosés euh, à la lance, quoi, pour euh, pour vraiment euh, économiser euh, parce que ouais, y avait ouais, un bon, petit filet, quoi, qui coulait. Ouais, euh, en terme de, ouais, pour une image, ouais, un petit doigt qui coulait. Ouais, euh, c'est ouais. ça. En plein été. Ouais. Est-ce que vous avez envisagé de rajouter une cuve ou de changer la cuve De toute façon, en débit, ça ne se remplirait pas C'est une question qui se pose. Ouais. Oui, dans ouais. les prochaines années. Ouais. Déjà, d'essayer de récupérer peut-être l'eau de pluie, même si ce n'est pas grand-chose. Toiture Toiture, il bah, y a quand oui. même des grosses toitures. Ou, euh, ou ruissellement euh... <laughs> Après, bon c'est voilà, la mauvaise période. Enfin, s'il ne pleut pas en été. Euh rien quoi mais ça permettrait quand même peut-être de tamponner un peu mmh. bah justement même après euh, l'hiver on n'utilise pas au début du printemps très très peu et c'est là que ça coule vraiment beaucoup au niveau de la source et du coup le trop plein repart dans le petit ruisseau euh, qui est euh, voilà le, le, le long du terrain hein, le long de la forêt donc c'est très bien mais en soi on pourrait récupérer cette eau là euh, pendant, pendant les deux trois mois où vraiment ça coule à fond mais après c'est ouais, des systèmes de d'autres cuves ou de bassines ou d'une retenue d'eau mais bon ça c'est encore l'idée c'est de réussir à avoir euh, quelques centaines de mètres quoi. cubes euh, voilà d'avoir une réserve en un tout petit bassin euh, ouais, ouais. parce que capter une autre source ouais, c'est assez onéreux quand même euh, au ouais. niveau du captage donc euh... en quoi ça consiste un captage d'autres sources ben c'est un... Ben, avec, on, ils viennent avec une mini-pelle et euh, on, là où ils pensent qu'il y a le filet d'eau qui passe, en fait, euh, ils essayent d'ouvrir euh, sur 2-3 euh, mètres, voire euh, 3-4 mètres de Elle prof... à quelle profondeur vous, votre source ouais, Elle est assez superficielle, hein. ouais, 2 mètres, je pense. Ah ouais. moment, comme c'est en pente, la, la, la source a tendance à sortir un, un endroit. Quoi. Mmh. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faut essayer de la capter. Euh, ouais, c'est pas des nappes en, en montagne, c'est vraiment des, des chemins d'eau qu'il faut essayer de... Donc c'est un trou à la mini-pelle, ouais. euh, puis derrière un bassin pour euh, pouvoir mettre une pompe dedans, et... enfin, ouais, ou une cuve... Euh, du coup, y a d... il faut mettre un, un dessableur en fait, pour faire une première euh, décantation, pour avoir de l'eau euh, dans la cuve, qui a, qui a pro... sinon on, on bouche la cuve. Euh. Donc il y a déjà un dessableur, et ensuite ça va dans la, la cuve, quoi... Où on veut stocker. C'est une installation Ouais, c'est ouais, quand même un truc assez lourd. Quoi. Quand vous n'arrosez pas à la lance, du coup, c'est quoi votre système d'irrigation euh, en, en pépinière En pépinière, c'est seulement à la lance. Tu disais, on, on utilise la lance parfois euh... Euh, En plein champ. Ah, en plein champ Ouais, habituellement, on a donc les, les asperceurs ou les gouttes à gouttes dans les serres, mais, mais euh, en extérieur, oui, on a, les, on a des lignes d'asperceurs. Et... Ouais. Mais là il y avait tellement peu d'eau que euh, on pouvait pas c'était pas localiser. assez précis. Ouais. Okay. Donc là on arrosait carrément les planches à la lance quoi. Pour rester sur la pépille, euh, vous démarrez à peu près quand vos plans? Du coup les premiers semis, mi-février, ouais. Mi-février, donc là tu dis tu as besoin de tape chauffante et la lumière. Euh, et à partir de... Tu, tu mets quoi euh, mi-février, du coup ben, Les semis de tomates, euh, d'aubergines, de poivrons. De poivrons. Ben, après, il y a les premiers semis, euh, ben, les navets, les carottes sous-serre aussi. Euh, février, ça aussi Ouais. Euh, les, les radis, les sous-serres aussi. Et euh, dans cas, les poireaux, euh, les oignons. Toi, quand tu sèmes sous-serre en février... Euh, T'as pas des risques de gel qui sont assez importants quand même Si si ouais. Ouais, donc comment oui, tu protèges voile. Ouais, voile de forçage. Hein, euh... Un deux. Bah, en général au printemps j'utilise des P trente plutôt ouais. Donc euh, un voile ouais. Après euh, sur les pommes de terre j'en mets autant que je peux. <laughs> je fais des pommes de terre primeurs ouais je les plante en ouais en mars quand même. Donc là, il y a 10 voiles dessus. Voilà. <laughs> Plus les deux heures de lumière par jour, elles adorent. Ouais. Bon, après, ça augmente. Hein. C'est juste euh, janvier, février, on a vraiment deux heures après. Après, ça augmente, ouais, quand même. On... Heureusement. Donc, tu... Enfin, tu sors quand même tôt tes cultures, euh, tes semis et autres. Euh, comment tu gères le réchauffement de ton sol ben, Au début, euh, je. je pas mal j'avais un j'ai fait des petits graphiques je prenais un thermomètre de cuisine et je, je mesurais en fait je plantais dans le sol c'était intéressant on a vu des, des choses intéressantes avec ou sans paillage comment ça se réchauffait du coup ça m'a donné un peu euh, ouais des ordres de grandeur un peu en tête et bah, dès, ouais, dès qu'il y a plus que 10 degrés euh, on peut commencer à semer dehors quoi mais Et ça vient vite. Février, tu as déjà un sol qui a plus de 10 degrés Non, non, mmh. dehors non. Mmh. On, mais en serre, ça commence après euh, février-mars. Ça commence à, à se réchauffer. Après, on a de la chance. Ouais, on ça, on l'a peut-être pas dit, mais comme on a un, un sol sableux, en fait, ça compense bien le fait qu'on a un climat un peu difficile, quoi, parce que le sable, euh, on réchauffe plus vite euh, au printemps. Mmh. Donc ça, c'est quand même intéressant. Si on avait un sol argileux là, euh, à cette altitude peut-être ce serait beaucoup plus compliqué. Après en été, voilà, c'est très drainant, il y a des avantages aussi. Et, et en tout cas, ça nous permet peut-être de commencer un peu plus tôt quoi, avec, avec ce sol. Okay. Tout ça, j'imagine que tu euh, as tes retours d'expérience euh, sur les années précédentes. Tu te prends un moment en hiver où tu planifies tout Du coup, ouais, je, pense, enfin, ouais, je pense vraiment sur petite surface, c'est un truc assez important et ouais, de bien planifier et ben, surtout que moi on n'a pas d'outils donc si on si on, si on fait une erreur euh, voilà on peut pas se dire oh, je passe le motoculteur donc euh, quand on système de bâche et tout ça met quand même du temps euh, donc il faut vraiment durant l'année enfin durant l'hiver en tout cas bien planifier euh, les, ouais, les cultures ouais. euh, d'avoir disons un fil d'ariane euh, ça, ça libère aussi une, gros, une grosse quantité de charge mentale. Oui, ça. Donc, euh, chaque semaine, on sait exactement ce qu'on va semer. Et puis, euh, après, euh, quatre semaines après, ou ça, enfin, ça dépend des plans, mais on sait quand il faut planter. Tu fais ça comment Sur un, un gros calendrier euh, carton C'est un euh... fichier Excel, quoi. Okay. Euh, ouais, J'ai commencé en fichier Excel et je suis assez visuel, donc j'aime bien, je mets mes planches de culture en fonction de la semaine. Et après je mets des couleurs. S'il faut mettre un engrais vert, c'est vert. S'il y a le bâche, c'est gris. Avec euh, tous les espacements, tout sur le même fichier, comme ça j'ai vraiment accès euh, presque toutes les infos, quoi. Les espacements, les quantités de plants. as tes onglets avec les commandes de semences derrière euh, qui sont liées. Euh. Euh, oui, après. Euh, enfin les semences ouais, les plants surtout. Les, les plants à faire, faire. les, plans, les semaines, ouais. de... Après les semences c'est plus euh, d'une année à l'autre c'est ouais. plus empirique ouais. Ouais. je préfère avoir trop que pas que... <laughs> ouais, assez bon. souvent trop il <laughs> ouais, y a un peu de stock ouais. Euh, ouais, voilà ouais. donc ça te tu prends quoi tu prends une semaine un mois en hiver euh, pour faire ouais, ce travail là bien deux semaines bien je pense. deux semaines ouais. ouais bon maintenant ça roule parce que tu fais du copier coller euh, mais au ouais, tout premier planning j'ai mis j'ai mis pas mal de mmh. temps. Est-ce que pendant la saison, tu as une méthode pour noter ce qui part par bien, enfin, ou part pas bien au marché, ce qui démarre ou démarre pas bien au champ, et pouvoir ajuster du coup, les quantités et les dates ouais. mais ça je faisais pas mal ben, quand, quand je prenais aussi mes heures de travail. J'avais un petit carnet de bord en fait, sur euh, l'ordi. Et je, ben là, je mettais mes temps de travail. Et puis. Euh, et puis, les, les, choses, les points importants qui s'étaient passés dans la semaine. Je mettais euh, les événements climatiques, les ravageurs ou la commercialisation, les choses qui ont marché ou pas marché. On a un fichier euh, Excel aussi pour les rendements. Donc, là où on, on va rentrer tous les, euh, toutes les quantités de, de, de légumes par, donc par, par légumes et par semaine. Et là, du coup, on a aussi un petit, un petit onglet commentaire. Donc... Euh, Genre, euh, l'année dernière, on n'avait pas assez de débouchés euh, de commercialisation pour la mâche. On avait vraiment trop de mâches. Donc, euh, voilà, cette année, on sait qu'il faut, <laughs> qu faut prévoir le coup. Ou, ouais. des, des petits trucs comme, comme ça. Vous aviez quoi. quelle surface de mâche On en avait dehors et, et en serre. Mais bon, après, on, était, on est parti trois semaines en vacances en janvier. Donc, euh, ça a un peu coincé. Je pense que ces trois ouais. semaines-là auraient été. C'était jouable, on aurait pu vendre pas mal. 5-6 planches de ouais. 25 mètres de long quoi, sur 80 de large. Mmh. Bah après, elle est vite montée euh, en fleurs, ouais, Au en printemps, enfin vite. C'est juste qu'on était on n'était pas au taquet quoi. Ouais parce que les ça c'est bien parce que nous genre de légumes ils montent plus tard quand même. Comme on est en altitude, on a un climat plus les poireaux, les la mâche, les épinards, ils montent quand même plus tardivement quoi. Donc on peut aussi un peu jouer. C'est monté combien là les températures cet été ici Pas août juillet 2024, 2023 pardon. 35 30 35 max Ouais. Ouais, peut-être plus. 30, Pas longtemps, 30, quoi. Genre, ouais, Et les dernières que... gelées cette année Enfin, avril, début mai, ouais. Ah ouais Il y a encore des gelées. Avril encore Oui. Ouais. Enfin, C'est là où il faut mettre des tonnes de... De PZ7 sur les patates. <rire> 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 ok. Est-ce que vous avez une, une vision générale euh, de, vous, de vos itinéraires techniques sur, euh, sur le terrain euh, ça va être euh, on apporte euh, masse de matière euh, quand on est sur des plans, euh, on fait des SMIC après un bâchage long, euh, tous nos SMIC se font sur compost ou pas. Est-ce que vous avez déjà une réflexion un peu standard que vous venez euh, adapter au fur et à mesure ou pas du tout hum, Ouais, difficile à dire. Euh, ouais, non, les plans on paille. Euh, si on plante, on paille systématiquement. Et vous mettez une bâche par-dessus on plante dans par, le paillage Par exemple, les courges, oui. En général on, on avait un paillage, mais là, cette année, j'ai vu que ce n'était pas suffisant. Donc, l'année mmh. prochaine, ça va être sûrement... On va faire un paillage plastique en plus, quoi. Oui. L'année prochaine, on va sûrement faire ouais, paillage et bâche. Mais des gros plants, oui, c'est systématiquement... Euh, mmh. bah, enfin, paillé. Mmh. Les petites graines, c'est ouais, sur semis, sur compost. Les, les premières années, je faisais tout à la volée, pratiquement. Ouais. Donc, carottes, car, carottes, radis, on mélange. Euh, donc, l'idée, c'était de récolter les radis euh, en premier pour euh, éclaircir les carottes aussi après. Ah attends. <laughs> ça a été deux minutes là-dessus. <laughs> tu mélanges dans ton seau les carottes, les radis, tu ouais. balançais tout à la volée. C'est ça. Alors, au euh... début, c'était compliqué parce que je savais pas le grammage, mais du coup, euh, au fur et à mesure des années, euh, je pesais euh, le, nombre de, le grammage des graines. Quoi. Et moi, souvent, au début, j'en semais trop, trop dense. Donc après, tu éclaircis Donc euh, j'éclaircis, ou pas, parce que j'ai pas le temps. <rire> <rire> okay. Du coup, j'avais des petites carottes. Mais euh, au fur et à mesure des années, je Ça savais que. Tu oui. as ouais, Par exemple, maintenant, je sais qu'il faut 10-12 grammes de carottes sur une planche de, de 25 mètres de long euh, et 80 de large, quoi. Donc, je tu plaisais... le fais encore, là, à la volée bah, oui. Cette année, oui, mais ça va se poser en question parce que le désherbage était horrible cette année. Oui. Parce que quand c'est semé à la volée, il ben, n'y a pas de ligne. Donc, et euh... aussi parce que tu n'as pas mis de compost. Tu n'as pas, ouais. mis de... as et pas, pas et fait l'itinéraire. Il faut savoir si c'est l'un ou si euh, l'autre. Euh, là, je pense l'année prochaine, oui. sur les carottes, on va mettre une grosse couche de compost et on va peut-être semer en ligne pour éviter tout ce. Oui. ce, -ce quoi. Et le temps à la récolte euh... Alors, tu fais que à la volée, donc tu n'as peut-être pas pu comparer avec. Euh, un, non. Je pense au radis notamment. Ouais. Donc, euh, enfin, je me pose toujours la question est-ce que je gagne du temps ou je perds du temps Je pense au niveau de l'achat des graines, peut-être que je, 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 on sait avec un semoir, j'ai tendance à croire que. Tu économiserais peut-être. Tu économiserais un peu des graines. Ouais. Parce que du coup, en densité, tu as une idée un petit peu en étant à la volée euh, en... est-ce que tu vas semer trois euh, ou quatre fois plus de graines que si tu étais au semoir bah, je sais pas, je n'ai pas de point de comparaison. Mmh. Ouais. Ouais. Mais en temps, aussi en temps de travail, quoi. après j'ai pas besoin que le, la planche soit nickel, nickel. Euh, je, je, après je mélange aussi, ça pas, quand je le mets dans le seau, je mélange avec du, du terreau ou du compost ou du sable pour éviter de pour faire, faire des gros paquets, mmh. surtout pour diluer, euh, euh, sinon tu fais des gros paquets et, et ça serait parti bien euh, entre les graines de carotte et les graines de radis qui sont peut-être un peu plus lourdes ouais après il faut bien mélanger quoi il euh, faut, faut bien homogénéiser au départ ouais. puis après euh, ouais, ça... Donc, tu sèmes tout ça à la volée tu viens plomber avec un rouleau non ouais. je T arrose plus, euh... un, peu un peu de compost par dessus ouais. et je tapote un peu avec la pelle ou et puis j'arrose bien quoi à la lance non non là ouais. à là, ouais. ouais. et puis au printemps il n'y a pas tellement besoin euh mal de pluviométrie. Donc ouais. Ça va, mais je faisais ça aussi pour les navets, pour les bitras. En associé aussi en, Ou en, en pur semis à la volée euh, En pur ou euh, associé En pur, ouais. Ouais. oui. Oui, hein, en pur. Euh, ouais. ouais, pour les, les graines comme ça. Ouais. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait, et là tu te poses la question de l'achat du semoir euh, ouais, aussi. pour ouais. gagner en désherbage. Ouais, ouais. Pour, le semer en, pour faire ça en ligne. Mais ouais, c'était. Ça fonctionne en tout cas. intéressant. Mais ouais, il faut être. Au niveau des herbages, il faut être. Ouais. Euh, au taquet, quoi. Enfin, tu passais combien de fou. fois à euh, désherber ta, ta, ouais, ta planche là, de. Ouais, ah, mais pour comme dit, les premières années, presque zéro, quoi. Bah, là, oui. euh, ouais. Tu récoltais tes radis, il y avait quelques trucs, hop, tu l'enlevais et puis c'était bon, quoi. Et là, ouais, cette euh, année, on est passé bien trois fois. Trois fois, oui. Quatre et fois. Hein. Et puis là, c'est à la main parce que. C'est à la pince à épiner, quoi. Entre les carottes. C'est horrible. Et puis ouais, vous verrez, c'est. Là, on voit plus tellement les carottes. Septembre <laughs> Mois de septembre. <laughs> ok, bah, je propose qu'on aille ouais. voir sur le terrain comment ça se passe. Ouais. Derrière nous, on a... J'allais dire, on a les feuilles, mais en fait, on, on a euh, du navet, du radis, de la betterave. Euh. Ah oui, donc. Euh, C'était quoi avant un, un petit mélange. Eh ben avant, il y avait tout ce qui était pommes de terre, en fait, qu'on a récolté euh, ouais. d'abord en, en primeur et ensuite au fur et à mesure. Euh... Donc, les patates, tu m'as dit, tu les sors en février Non, on les. Ça, c'est en serre. Euh... En on, serre, oui. On les... en fait en serre, euh, on les plante en, ouais, début mars. Début mars, en extérieur. En sous-serre Sous-serre. Et ouais. ici et ici en avril. Euh... Avril ouais. Ok. De, dessus, tu pailles, tonte, broya Ouais, parce que j'ai un peu sous la main. Donc, euh, tonte, il n'y en a pas encore des masses, vu qu'il fait encore euh, un peu frais quoi, mmh. on a, ouais. chez nous. Donc, c'est ouais broya. Là, j'avais une botte de paille qui était à dispo. Donc, euh, j'ai paillé euh, ouais, 15 cm. Euh, plus, voilà. euh, plus des voiles pour les gels une fois que ça commence à sortir euh, Sous serre, ouais, mais. mais en extérieur, euh, il a en pas besoin. En extérieur, non, en je fais est... en sorte mi-avril, après, normalement, ça passe. Euh, le temps que ça sorte, il euh, n'y a okay. plus de gelée. Ouais. 15 cm, c'est suffisant au niveau verdissement Ouais, un peu quand même. Sur. Euh... Là, j'ai eu quelques, quelques, ouais, quelques cagettes qui étaient de pommes de terre vertes. quoi. Après, je les réutilise. Euh... Celles qui sont bien je les réutilise pour l'année d'après donc... pour les plans ouais. euh, 15 cm de foin niveau rongeur Ouais il y a eu un peu des, un des, peu. des attaques quoi ouais. après on a 3-4 chats dans, depuis quelques années donc euh, ça régule un peu quand même un petit peu, ouais. Avant j'avais des pièges euh, surtout pour tamponner un petit peu des pièges top 4 mais là genre, je les utilise quasiment plus là c'est disons acceptable euh, les pertes <laughs> okay. et donc tes patates tu les vire euh, sur quel mois là euh, ben, je ai, les premières euh, fin juillet dehors à l'extérieur et puis après euh, fonction du marché j'en sors toujours euh, ouais. régulièrement d'abord en, en pommes de terre prime enfin primaire ouais et, euh, ensuite de conservation enfin j'ai pas vraiment de, en fait, de, de pommes de terre de conservation ouais, j'arrive pas j'ai pas une surface assez ça fait partie de la revente assez, assez grande euh... donc euh, ouais maintenant là j'ai les j'arrive sur les dernières enfin on en a encore récolté là un petit peu mais euh, ouais au... octobre novembre j'en ai souvent j'arrive au bout quoi donc là je passe en revente. Ouais. ok et donc quand tu retires les pommes de terre il te reste pas mal de paille au sol j'imagine Comment tu fais la succession avec les cultures qui arrivent derrière Ben là, ça s'est présenté assez bien, disons. Enfin, c'était pas mal dégradé, j'étais un peu haché, donc il y a juste un, un peu à, à mélanger avec la, la terre. Et puis, le, j'avoue, le plus gros, j'ai mis sur le côté, quoi, ce qui était vraiment encore trop. Euh... Donc, tu retires les pailles, la fourche au râteau, et puis derrière, c'est du semi ou du plant. Euh, un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Euh, Épinard, radis, là c'était en semis. À la volée du coup Les euh, Non, là je suis passé en ligne parce que justement. En ligne mais sans semoir. J'ai retenu la leçon. Donc euh, la ligne sans semoir, c'est tu te fais un sillon et ensuite tu viens mettre à la main. Mmh. C'est ça, ouais. 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 Niveau densité, euh, tu gères. Bah euh... ben, c'est vraiment. Ouais, c'est comment dire C'est. Au pif. Ouais. <laughs> bah après, tu à peu près quoi les, les radis noirs au feeling, quelques centimètres les radis voilà tu... okay. euh, Donc les radis c'est semé à la main en ligne les betteraves. Là c'est des plants ouais. Plantés. Ouais et puis ouais, le reste plus haut c'était planté pour gagner du temps les planches étaient peut-être pas encore libres euh, au bon moment du coup. Fenouil euh... planté. Oui. Donc j'espère que ça va passer. Là, c'est un peu tard. On va voir. Mm -hmm. Et ouais. Et derrière, tu viens repailler à la tente. Ouais. c'est la tonte, hein. Oui, là, j'avais de la tonte. Donc j'ai repaillé avant de planter. Ouais. Ok. C'est des choux Oui, il y a des choux aussi Chou raves aussi, ouais. Euh, T'as pas de souci daltise Si on était un peu. Bah, en printemps, ça va. On... Ça va encore. On a une pluviométrie. Euh. Ouais. Mais on était là, ça commence, la pression commence euh, ouais. à être. Euh, euh, alors, parce je que jusqu'à que... présent, j'ai pas de filet. J'allais dire, je vois qu'il n'y a pas de filet dans ton jardin. Ouais, donc euh, pas de filet euh, pour l'instant sur. Euh... Mais j'avoue sur les navets par exemple d'automne là, j'ai dû refaire un semi parce que le premier a été euh, a été grignoté quoi. Par limaces. Altise. Altise. Euh, ouais donc là. Question commence à se poser, mais c'est pas encore une pression. Euh... T'envisages euh, si d'acheter des filets à un moment euh, ou, ou tu préfères euh, ressemer et rester comme ça? Ouais, on va peut-être acheter des filets, euh, surtout que là, on, on, ref... on est aussi dans un groupe de semences pour euh, de maraîchers. Donc pour, euh, pour les histoires de pollinisation, on va peut-être quand même acheter des filets et en même temps en profiter pour. Euh couvrir euh, tout ce qui est navet, radis, chou pour les altises. Oui. Mais après, je sais pas si c'est bon l'environnement aussi. On a peut-être l'écosystème qui régule un peu mieux que qu'en plaine. Mais vous avez pas mal de, de forêts autour de chez vous Ouais. C'est les seuls maraîchers du coin. Oui. Après, ouais, c'est vrai que sur les brassicacées, la, la pression commence à se faire sentir. Oui. Okay. Euh, je vois de l'aubergine en extérieur également. Ça marche euh, Oui, oui, je suis une sous-bâche. Bon là, c'était des plants vraiment surplus, on ne savait plus trop où planter. Oui. J'ai posé une bâche et j'ai planté dedans, me disant ça donnera ce que ça donnera. Oui, donc tu les as sortis euh... quand Ça, c'était les dernières plantées, je oui. pense que c'était quand enfin, euh... Fin mai. Oui, début, début juin, début ouais. juin déjà, ouais. ouais. Mais en bas, on en a... Saucer enfin euh, en avait en et en ouais. extérieur mais en extérieur ouais, elles ont bien marché euh... le... sorti quand et donné quand donc là on a planté sous bâche aussi tissé euh, bah, début mai et puis après on, on voile pas mal euh, ouais. avec les voiles de forçage on met aussi des tuiles aussi euh, au sol pour, pour un, que ça chauffe euh, ouais. pour avoir une inertie thermique et euh, voilà et elles ont donné quand on... fin juillet début ouais. début non début ouais peut-être avec de la taille de la sélection dans les fleurs du tout non on fait pas ouais, sur les aubergines on taille pas trop euh... mais je trouvais par rapport au rendement serre elles sont presque, ouais. presque plus productives en extérieur cette année ouais je sais que... pas pourquoi euh, on ouais. serre c'était je sais pas quelle était c'était moyen ouais vous tuurez pas en extérieur Non. non elles se tiennent. C'est quoi C'est de, de, la population Oui, oui, oui. Euh, C'est. la vôtre ou euh... Euh, Aubergine, non. Pas, non. pas en fait, encore. quoi comme, comme variété En okay. variété, il y a des blanches, il y a euh, la barbantane en, en, classique. La Meronda. Melonga Meronda. One On La Black Beauty. Il y a ouais, 8, 9 variétés. Hein, je sais plus. D'aubergines. Oui, il ouais, y a toujours une diversification. Ouais, ouais, euh... plein de On va arriver sur l'illustration des propos de <laughs> vos cadeaux de Noël à vous-même. <laughs> <C 'est ça. rire> variétés d'aubergines. Ouais. Ok. Euh... Dernière petite chose, je vois des pieds d'asperges qui... qui dépassent. Voilà. <laughs> ça marche euh, bah Ça, c'était une expérimentation. Disons qu'on avait un sol sableux. Alors je me suis dit, euh, pourquoi pas essayer des asperges Mais ça, tu ça avais testé du coup en tout début Enfin, okay. oui. Quelle, quelle année, du coup, tu as été C'était peut-être la, pff, peut la première ou deuxième année, ouais, je sais plus, j'avais essayé de... Okay. Donc on a enterré des griffes d'asperges, mais il y en avait une, trente, une trentaine, quarantaine, ouais. Là, il y en a encore une petite dizaine, une douzaine qui reprend chaque fois. Ouais, donc c'était assez timide, et en fait, on les a beaucoup plus tard qu'en pleine. Ouais. Euh, en pleine, ils ont... en mai... Euh, voilà, en mai, début, plutôt... début juin, nous, c'est plutôt juillet ju 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 et en fait, plus personne n'en voulait. Quoi. Ouais, ouais. Même si il y, euh... y en avait pas ouais. beaucoup, quoi. la moitié s'est fait je pense, euh, grignoter par les, les bah, petits campagnols. tu la sortais en, en blanche ou en verte On oh, la laisse en verte. Hmm. Enfin, toi, tu avais essayé peut-être, ou vachement, tu n'avais pas marché. Non, pas pas non. Acheté. Du coup, c'est plus pour nous, euh, pour la consopération. c'est marrant, surtout ouais, <laughs> Et, euh, ouais, et, et je crois qu'elles font même deux, deux repousses euh, après plus tard. Euh, mmh. Du coup, c'est marrant, tu traînes un peu, tu regardes, il y en a une, hop, tu... ouais, c'est plus pour le fun. Mmh. Quoi. Ouais, on fait pas mal d'expériences. Pour info, la, la griffe, <laughs> du coup, tu la mets à combien euh, En profondeur avais une, une taille de bêche, quoi, au fond. Donc 20 cm Ouais, euh... centimètres. Ok. Et tu les as posées une fois, et ça donne. Euh... Après, ouais, il bon. faut attendre euh, deux, que... trois ans pour euh, qu ait, que ce soit correct. Euh... Niveau diamètre quoi. Mais ouais. Ok. Euh, je vois aussi les poireaux en arrière-plan. Euh, les poireaux du coup pas de filet, ce que tu disais. Euh, pour essayer de faire du blanc, tu rajoutes particulièrement beaucoup de, de paillage ou alors tu densifies ou euh, tu t'en fiches euh... Un peu des deux. Du coup, j'ai une planteuse à poireaux manuelle. Une ruinette améliorée. Ouais, voilà. C'est de Terratec. Et du coup, on plante avec ça pour avoir un fût correct. Mais c'est pas particulièrement dérangeant quoi, pour ça. niveau de la clientèle, ils sont pas tellement exigeants. En écartement, tu as combien euh, c'est 10 sur, euh, sur le rond et ouais. un peu moins euh, enfin interrand 10 et un peu moins sur le, le rond quoi. C'est ça doit être ça. Ouais. Tu calcules un peu tes, ta productivité au mètre carré, euh, tes rendements euh... Ouais, j'ai essayé un petit peu mais c'est vite compliqué parce que en fait le problème c'est qu'on fait des associations oui. c'est quelle surface on comptabilise pour le légume par exemple les poireaux il ben, y a des lignes de céleri dans les passe-pieds quoi donc euh, ouais. niveau rendement à surface c'est compliqué à traiter oui. donc sur des planches classiques ça va quand on fait une culture de planches de tomates ou... ça c'est assez facile mais pour certaines d'autres légumes c'est un peu plus compliqué quoi en fonction de bah, quelle surface on prend en compte en fait finalement dans le calcul quoi. Ouais donc euh, association poireaux céleri est-ce que en termes de, de densité tu peux nous donner des, des chiffres un peu Et bah ben, ben déjà je cultive en fait c'est une réflexion que j'ai eue de manière générale. Euh, ben, comme on n'a pas de machine qui passe dans les passe-pieds, euh, ben, ça devient une surface qui me paraît intéressante de, d'exploiter. Euh, alors, euh, par exemple, pour les carottes, je, je peux utiliser, je me dis d'un côté ou de l'autre, je récolte, et puis un passe-pied sur deux, on, on peut s'en passer, quoi. Enfin, on peut mettre une culture. Donc, euh, l'idée est venue de là, et du coup, j'ai essayé plein de trucs. Euh, bah là, céleri-poireau, par exemple, euh, qui ont un peu les mêmes. Enfin, ouais, les céleries ont besoin d'eau aussi, donc, y a un peu les mêmes besoins. Après niveau ergonomie, c'est sûr que ouais, ça rajoute un peu de complexité. De... Et je regarde souvent mes la pointure de mes stagiaires. Il faut qu'ils soient assez petits <laughs> pour passer entre les cultures. Mais ouais, comme ça, on optimise un peu la surface, comme on n'a pas besoin de passer un outil, un tracteur ou quelque chose dans les passe-pieds. Est-ce que tu dédensifies, tu dédensifies pour pouvoir passer Ouais, après l'idée c'est, ouais, certaines cultures, ont... ben surtout par exemple des cultures rapides comme les salades. Hop, je mets dans un passe-pied avant que la... la culture principale ait besoin d'être récoltée. Et du coup, après, ça laisse, on récolte la salade, ça laisse la place et on peut passer quoi okay. Des, ouais, c'est des enchaînements euh, comme ça qu'il faut un peu. Euh... Tes salades sur le papier tu vas les mettre tout le tous les combien Tous les combien Les salades Oui. Bah euh, ouais, tous les 20 centimes. Tous les 20, hein. oui, donc normal. Ouais. Et, euh, et tes poireaux là euh, Ouais, après ils n'ont pas tous pris, mais euh, ouais, tous les 10-15. Hein, et puis euh, sur trois rangs. Sur trois rangs. Et les salariés Bon pareil, 20, 25. Hein. Aussi proche des poireaux, ouais. ouais, après, voilà, comme on a... Comme dit, je, je fais beaucoup d'expérimentations, ça marche ou ça marche pas, mais euh, on, comme on a, pareil, on n'a pas assez de pression financière, donc euh, on, on, peut prendre, on peut se permettre de prendre beaucoup de risques en fait. Euh, et c'est ce que j'aime bien dans, dans ça, parce que d'une année à l'autre, on peut tester tellement de choses. Mmh. Okay. C'est ça qui me botte. Là par exemple, ton association Poire aux Céleri, euh, tu es convaincu, tu le referais Ouais, ça j'ai déjà fait euh, quelques années. et euh... Ouais ça me paraît intéressant quoi. Après c'est la culture du passe-pied, je la vois comme une culture bonus, quoi. Si ça marche, c'est cool. Et sinon, bon C'est je... ouais. ça de prix en plus, quoi. Ouais. Je vois que tu as des... des petites annotations euh, dans tes parcelles, c'est des différences de variété, c'est quoi Ah non, j'avais... Euh... Là j'avais mis des concombres aussi. Euh, dans les dans les... dans les poireaux. <laughs> Donc là, l'idée, c'était de reprendre les, les semences. En fait, une année, il euh, y avait des concombres qui ont poussé, euh, qui ont dû repousser naturellement, et puis j'ai. dans les poireaux, justement. Et. J'en ai récolté pas mal. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, ça fait couvre-sol. Euh, et du coup, cette année, j'ai essayé euh, en mode euh, je plante. Et c'était dans l'idée de, de garder les semences, mais au final, j'ai pas. J'ai été débordé, ouais. Et bon, j'ai les... quand même récolté les concombres hein, pour le marché. Okay. Mais ça n'a pas servi pour les semences. Quoi. Et ça n'a pas embêté le développement du poireau qui, euh, à ce moment-là, n'avait pas besoin de tant de lumière Pas, pas plus que ça, ouais. Et ouais. puis je me dis, après, le concombre, quand il fait froid, de ben, toute façon, il chope ouais, il... l'oïdium, il... tu il... le vois plus. Il... Oui, euh... voilà, il... Il par lui-même, il il se dégrade, quoi. Ouais. Donc, euh... Par contre, là, en herbement, du coup, euh, un peu débordé. Voilà. <laughs> donc euh, ouais cette année euh... ouais pourtant on est passé encore quelques fois même avec le paillage hein, c'est passé euh... c'est passé à travers ouais bah ben, la concurrence ouais souvent euh... souvent je fais des erreurs parce que je, je sers de trop ouais. ça c'est c'est clair t'as un exemple de quelque chose que t'avais trop serré et que tu as dû euh, dédensifier oui par exemple les salades je les avais mis euh... souvent je les mets avec les choux quoi donc je les mets... Euh... Puis J'ai rapproché trop des choux et les choux ont pris le. C'est combien un trop Bah, je sais pas, j'avais mis 15-20 cm quoi. Ouais. De, de, de choux à choux Non, non, de choux de à salade. salade. <laughs> et ouais, du coup, ouais j'ai mes salades, bah, je les ai récoltées en mesclin. Euh, j'ai pas vendu les, ouais. les têtes quoi. Parmi euh, toutes les associations euh, que tu as pu essayer, il y en a certainement énormément. <laughs> et euh... Est-ce qu'il y en a certains, certaines dont tu es particulièrement content ou d'autres que tu referais pas euh, bah, J'ai retenu ouais, celles celle qui marchaient assez bien en général. Euh, comme dit, les, les cultures dérobées des, des courges, ça j'ai bien aimé. Ça permet de, de, bah, de diversifier aussi justement une surface qui est occupée longtemps. On peut diversifier en soit en mettant des betteraves, des pommes de terre ou même des, des cultures plus longues en fait comme des, des choux de bruxelles ou des panais. Donc, euh, avec euh, des cultures en dérobée comme ça. Après ce qui marchait bien. Par exemple aussi celle, euh, céleri, rave et fenouil. donc L'idée c'est de récolter les fenouilles euh, avant les céleries. Du coup, ça laisse la place. Et après, on récolte les céleri euh, Après, on peut même glisser une salade là où il y avait les fenouilles euh, Par exemple, des scaroles, ouais, en fin de saison, ça, ça passe encore. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore comme association Ouais, radis carottes, ça c'était un peu le, ça c'est connu, c'est assez classique. Euh... En serre, euh, on fait surtout les tomates avec pas mal d'aromatiques au pied. C'est intéressant aussi, tout ce qui est persil, basilic. Mmh, voilà. Et il y, des... y a des essais où tu te dis, oh là là, ça, plus jamais mmh... Non, tout... enfin, souvent, c'est une question de densité, quoi. Euh, souvent, ça marche à 10 cm près, ça, ça peut marcher, quoi. Donc euh, et en plus avec les années différentes, ça peut une année ça peut marcher euh, avec une autre pluviométrie ou un autre climat, le timing il est décalé, euh, ça marche moins bien. Donc c'est mais c'est ce qui est intéressant aussi quoi. Du coup si demain il euh, y a un maraîcher qui regarde cette vidéo et qui est basé à Toulouse et qui se dit allez j'ai envie de faire toutes ces associations là. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles de tester pour pouvoir petit à petit peut-être affiner Bah Ça c'est compliqué, bah, c'est d'essayer déjà à une petite échelle. quoi. C est, c est... Tout dépend les risques que tu as envie de prendre et que tu peux prendre quoi. si financièrement tu es, es assez libre. Moi je conseille de tester à fond parce que du coup tu apprends beaucoup plus vite que si tu es sur des schémas... Carré, où tu dois produire euh, conventionnellement euh, des choses quoi donc euh, ça dépend où tu veux mettre le curseur euh, dans ta prise de risque. Toi tu sais ce qui marche chez toi tu veux pas savoir ce qui marche ailleurs du coup tu aurais tendance à prendre euh, 10 ou 20 cm plus large et petit à petit tester et rapprocher. Faut tester ouais euh... ouais après je suis quand même parti aussi sur des bouquins où j'ai vu des, des choses déjà existantes ouais. Mais justement l'idée principale qui ressort c'est que on peut raisonner en termes de lignes à une petite échelle quoi. Plus en termes de lignes qu'en termes de, de planches au bout d'un moment. Donc as un peu des trucs un peu hybrides. Euh, voilà. Ouais, ça c'est un peu l'idée principale. Et puis les, les timings euh, à la dérobée, quoi. Combien peux... de semaines après ouais. ouais. Et les bonnes associations aussi, hein, parce qu'il y a des associations. Euh un peu négative par exemple le, le fenouil euh, il aime pas trop euh, dit qu'il aime pas trop être accompagné quoi euh, voilà mais avec les, les céleri raves il a l'air de ça va quoi donc tu <laughs> <laughs> tentes quand même <laughs> ouais j'ai pas vraiment de de, de... ouais d'idée arrêter quoi il faut tester quoi c'est le principal après plus tu prends, plus, moins as envie de prendre de risques, plus tu peux l'essayer à une petite échelle, quoi, pour commencer. D'où tes 100 mètres carrés au démarrage dans ton jardin. Ouais, ouais, dès, dès que t'as du terrain, il faut essayer. Hein. Parce que je dis toujours, t as, t as... Bah, moi, j'ai commencé il y a à 30, 32 ans. Euh, tu auras 30, 36 ans, 35, Essais et c'est erreur, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, euh, il, <laughs> il faut, faut essayer, quoi que tu peux. Les jardins glissent euh, de bas en haut là. T'as un rotafie. système de rotation euh, préétabli. Euh, voilà. Sur combien de combien d'années de, Ben euh, sur les cultures principales, c'est ouais, disons quatre ans. Après, ouais. avec toutes les associations qu'on fait, il euh, y a des mix de familles quoi, euh, quand même. Donc euh, on, je prends en compte la la culture principale ouais. voilà donc il y a famille de brassicacées, euh, balsiacées, euh, cucurbitacées, puis cela fait, ouais, les cultures principales quoi et après les, les associations je n'en tiens pas compte quoi mais du coup dans ta tête ton jardin est divisé en quatre et tu fais passer tes blocs de l'un à l'autre euh, d'une année sur l'autre il euh, est divisé en huit parce qu'en en fait il y a deux Ouais les, les deux, deux, descentes, ouais. deux jardins enfin deux parcelles quoi qui fonctionnent indépendamment quoi avec la rotation donc euh, ouais il a une dizaine en tout il y a une dizaine de jardins quand même de 25 mètres sur 10 mètres. À peu près. Vous n'avez pas de planches et de passe-pied Ou alors c'est serré, et je les vois pas, ou alors vous faites tout en plein bah, ça dépend des cultures. Après, dans... au début, c'était surtout les planches de... à la Fortier, quoi. Jean-Martin, standardisées. Standardisées. L'idée, c'était, ouais, euh, c'était standardisé. ouais, vraiment d'optimiser les, de standardiser, ouais. Et après, ben, avec les associations surtout, on... on a, on a commencé à réfléchir plus en termes de planches, mais en termes de lignes. Il y a pas mal d'associations où on raisonne comme ça, quoi. Par exemple, ben, ben plus tard sur les, les courges, bon, ça, on les a récoltées, on ne voit plus trop. Mais on fait des, des cultures intercalaires ou on quoi. Par exemple, sur les courges, on, en avril on fait des lignes tous les mètres. On, on plante euh, ou on sème des betteraves, des pommes de terre, des en ligne. Et puis au milieu, ensuite on plante la courge un mois plus tard. Et l'idée c'est que bah, le temps que la courge prenne le dessus, on a le temps de récolter euh, les premières cultures, quoi. Okay. Ou même on peut les laisser. Bah, là, ce que j'ai fait, les oui. courges étaient trop rapides euh, à se développer et du coup on les récolte en automne, quoi. Pommes de terre ou betteraves, oui. ça se tient assez bien. Plus tard, du coup, après les courges. Après les courges. Après, oui. après il y a le risque des rongeurs euh, qui, qui grignotent tout ça, mais finalement ça allait. Ça, ça arrivait. allait finalement. Je vois qu'il y a des fruitiers sur la parcelle. Ouais. Et c'est vous qui les avez plantés Oui, oui. Du coup, euh, ouais, l'idée c'était un peu de... de mettre un peu des fruitiers, diversifier un petit peu. Après, vu le manque d'ensoleillement qu'on a un petit peu, je voulais pas en mettre trop non plus. Donc. Euh... Donc c'est le bord de l'allée centrale. Ouais. Disons côté nord, en fait, euh, il est là, donc euh, l'ombre portée est sur le chemin. Donc ça me paraissait pas mal, ouais. il n'est pas sur les légumes, quoi. Ouais. Donc juste en bout de chemin et il euh, n'y a rien qui pousse sous l'arbre. Les cultures commencent un peu plus loin. C'est ça. Tu Ce veux dire que toutes tes planches ne font pas forcément la même longueur, mais c'est pas grave. Ouais. oui, ça, c'est un peu le comment dit, le terrain, un trapèze, quoi. Mm -hmm. Donc les Un maximum de planches, j'ai essayé de les mettre à, à 25 mètres, mais c'est vrai qu'il y a un bout bah, ici. ouais. Pareil. C'est plus compliqué de gérer les quantités après aussi euh, quand tu fais la rotation. Ouais. Mais on fait ça euh, au feeling aussi. <laughs> Pas idéal, mais c'est le terrain qui fait que tu optimises chaque petite parcelle. C'est ça. Genre optimisation, euh, je vois qu'il y a des, des framboisiers le long des clôtures. Euh, ouais. Je voyais tout à l'heure des concombres qui montent sur les grillages. Euh, de c'est des gourdes. gourdes. C'est que des gourdes. <laughs> C'est les courges gourdes D'accord. Alors, euh, ouais, c'est un petit trip, des fois, en fait. Ouais. Donc là, c'est les... Bah, les gourdes, euh, c'est ce que les pèlerins utilisaient pour, euh, pour boire de l'eau, en fait. Les calebasses Les ah, oui. Du coup, c'est décoratif, en fait. Euh... Vous les vendez Alors, euh, on a eu un petit. des gens qui faisaient, par exemple, de la musique, euh, qui étaient intéressés pour euh, faire des instruments avec. Ok. Euh, après, là, on est en train de voir faire de la déco. Ou... De faire si on ne sait pas quoi trucs. faire en hiver, euh, voilà. <rire> <rire> mais ouais, c'est plus pour le fun et ouais, du coup c'était pour exploiter un peu les bordures, euh, ouais, les petits fruits et euh, mettre quelque chose sur les grillages quoi, pour euh, ouais. optimiser ça. Mmh. Nouveau plan, nouvelle pente, là c'est un peu moins fort, c'est hein. <laughs> quand même un secret. <laughs> euh, donc là vous faites de l'association avec de la facélie, c'est ça <laughs> Euh, ouais, oui. Ouais. C'est une nouvelle technique de MSV. Non, non, je rigole. Qu'est-ce qui s'est passé Donc là, il y avait. C'est pas volontaire, hein, du coup. Euh... Qu'est-ce qu'on avait Donc il y avait précédent aïe. et et avant avant là, il y avait un couvert euh, ouais de moutarde facile. Comment tu réfléchis Enfin, comment vous réfléchissez du coup ces, ces couverts c'est systématique Alors, de temps en temps C'est assez compliqué, comme on est vraiment une très petite coup, surface. Oui. Ouais. Des... C'est encore un des problèmes. Et comme on est dans un climat assez rude, oui. à la fin de saison, je n'ai pas le temps de mettre une céréale. Ou... Est-ce que tu arrives vers novembre ouais Ça gèle après Oui, du coup, j'ai déjà essayé de mettre des couverts, mais ça ne passait pas l'hiver correctement. Quoi. Donc, en couvert, on est essentiellement découvert assez rapides, en général euh, au printemps. Euh, avant, par exemple, les poireaux, euh, on ouais, met des, des. Donc, ça va être semé quand Donc, vous euh, voyez, euh, fin... en mars quoi. Ouais. Et Facili, moutarde, euh, sarrasin, donc des choses assez rapides. Facile à détruire Facile à détruire. Et ensuite on implante les, les poireaux, euh, on couche le couvert et Donc tu si couches on rajoute au, de la tonne à la planche. Non, on a un petit, un petit tonneau métallique là, assez lourd, qui sert. De... En fait, c'était un, un. Ce qui est drôle, c'est que c'est un, un tonneau de, de gasoil. Bah oui. <laughs> Okay, voilà, Donc, vous récupérer. roulez le tonneau. Et puis, ouais. Après, et euh, si derrière, on, vous bâchez on... Si, on a de la, si on a de la matière, euh, on. Mettez par-dessus. Par ouais. Pour bien maintenir euh, au ouais. sol. Ouais. Donc, et pas, et pas de bâche pas et pas direct dedans les poireaux. Ouais. Là, on avait mis de l'ail. Ouais. Et en général, ouais, avant. Ça vous fait quelle épaisseur là, au-dessus du sol, du coup, euh, le couvert plus la matière Au print A. Ah. Ouais, une dizaine, une dizaine de centimètres, ouais, je pense. Là Cinq, le entre 5 et les... 10, 5 ouais. ouais. plutôt. Ouais, J'allais dire, là-dedans, le poireau ou l'ail, il arrive à passer sans trop de soucis. Oui, oui, oui. Oui, oui c'est des, des engrais verts assez tendres qui se dégradent assez vite. Donc là, il y avait l'ail. Il y avait l'ail et il bah, y avait l'engrais vert, l'ail. puis, euh, du coup, en juillet, on a récolté l'ail et puis on a, on a planté les choux, quoi. Et du coup, le, la facélie est revenue. Oui. Elle a dû grainer euh, un oui. petit peu. C'est la question est-ce est que la, à ce moment de la destruction, c'était pas assez détruit et donc c'est revenu Ou est-ce que c'était est est déjà monté à graines et euh... que certains étaient montés, ouais. oui. Oui, oui. Bah, oui. Comme on a des abeilles, on a des scrupules des fois à, ouais. <laughs> à coucher assez vite. On leur laisse un peu plus longtemps. Et du coup, c'est reparti. Et donc là, dans tes choux. Euh, bon, sur le chouquet, le chouquet il a pris le dessus, mais à côté. Euh... Ouais, il y a une zone, on a un peu désherbé quand même. Euh... Il y a... Mais il y a. Ouais, on a du. Tu sens que tu vas avoir euh, peut-être moins de productivité euh, liée à cette facélie après quoi. Peut-être, ouais. Bon, là où c'est vraiment dense, ouais. ouais. mais j'avoue que cette année, euh... on fait ce qu'on peut. Et en même temps, vous n'avez pas de filet et euh, de la facélie, des choux planqués dans la facélie euh... Peut-être ça fait une diversion. <laughs> ça fait <diversion. rire> peut-être. <laughs> ouais. Ok. Vous avez du coup aussi euh, une production de fleurs comestibles ou c'est juste pour les abeilles C'est un peu des deux, mais euh, ouais principalement c'était pour tester les, les fleurs comestibles. Ouais, ouais. Alors ça marche euh, Bah ça marche bien, ouais. Après il y a il a des bouchées à vraiment à trouver pour euh, pour euh, la vente, quoi. On a on a testé un mesclin fleuri euh, sur le marché. Ouais, c'est moyen, quoi, les gens... Ouais, c'est... Certains clients qui, qui vont être réceptifs et d'autres pas du tout, quoi, qui... Je sais pas si c'est manque de confiance ou pas du tout intéressé. Mais après, c'est plutôt sur les restaurateurs, du coup, qu'on mise, euh, qu mise pour euh, ouais, ce, cette vente-là. Et là, pour le coup, ça, ça marche bien. Alors, c'est un peu contraignant pour, euh, pour la récolte, parce qu'il faut récolter et livrer de suite. Il ouais. n'y euh, a pas de... C'est dans l'heure... Ouais, donc, euh, et c'est mieux de les récolter le matin. Des fois, on n'a pas trop le temps de livrer le matin. <laughs> donc, euh, ouais, c'est un peu, un peu contraignant, mais c'est un, une bonne. Enfin, ouais, il y a une bonne plus-value quand même sur, euh, sur ce genre de, de produits. Ça va être après certains types de restos aussi. c'est pas forcément tous les restaurateurs qui vont travailler avec ce genre de produits. Euh, mais vu qu'ils ne trouvent pas en. En local, en bio et en, en si finalement, euh, ouais, ils sont intéressés. Tu arrives à estimer un peu les quantités euh, que tu fais euh, bah, Là, on est parti que sur un restaurateur, du coup. J'en ai un deuxième qui est intéressé, mais on n'a on pas, euh, pas encore vu avec lui. Euh, J'ai à peu près une centaine de fleurs par semaine en, en lois, ouais. ouais. Vendues à 40 centimes pièce. pièce. Et tu as combien de types de fleurs différentes euh, là, pour le moment, on a les cosmos, les œillets d'Inde. On avait un peu de bourrache, mais bon, là, pour le coup, je fais, je fais des bouquets. C'est pas vraiment à la pièce, c'est tellement petit. Et la capucine. Donc, on a de la capucine variée. Il y, a, il y a plein. Il y a de la rouge, de la jaune, de la marbrée. Elle est, elle est vraiment jolie et, et chouette. Ouais. Euh... Alors, c'est pour faire de la couleur dans les paniers ou c'est une question de saisonnalité aussi et de continuité? Bah, ouais, c'est pour, enfin, euh, après, moi, c'était plus le fun, quoi, le côté fleurs <laughs> que j'aime bien et, euh, et, euh, et que je savais qu'il y avait de la demande là-dedans. Donc, euh, voilà. Ah, c'était plus un test. Ça m'a, ça a pas, enfin, ça a pas pris vraiment beaucoup de temps hein, en, en, termes de boulot, quoi. C'est, c'est du semi. Bon, là, je crois que j'avais quand même semi, euh, en plaque les, les cosmos les œillets je crois c'était plus s'engauder. et après la plantation ouais. mais c'est c'était pas en termes de temps c'était pas énorme quoi en plus pour les abeilles c'est ouais. top quoi ouais. on a quelques ruches et du coup elles se régalent ouais, sur les sur les fleurs les, les tagettes, du coup enfin les œillets d'Inde on en a mis un peu partout aux alentours des tomates des courgettes euh, des, des aubergines en extérieur et on, on voit euh, qu'il y a quand même pas mal d'abeilles et de pollinisateurs autour, donc euh, j'imagine que ça, ça doit servir euh, aux voisins. Du coup, votre stratégie, c'est euh, bout de planche ou au pied des cultures Ouais, c'est ça. Là, cette année, c'était. L'année prochaine, je vais peut-être essayer de, de consacrer euh, un. un peut-être pas un jardin entier, mais euh, un demi-jardin. La cité, là, euh, ouais. Euh, ouais. sur là, sur les cosmos, par exemple, t'as planté à combien c'était assez serré, hein. je savais pas trop en fait, euh, mais c'était à peu près ouais euh, 20 cm, euh, 15-20 cm. Mais finalement, ça, ça grandit pas mal et ça oui, s'élargit quoi. Prendre donc... de la place, ouais. Mmh, ouais je pensais il, y avait pas. Des, il y avait des choux à l'intérieur qui se sont fait étouffer ou pas du non. tout Non, pas du tout. Non, c'était vraiment le bout de planche. Euh, j'avais nettoyé, enfin nettoyé entre guillemets. C'était, c'était un peu enherbé et j'avais dégagé cette surface là euh, pour elle. Il y a des besoins en arrosage spécifique J'ai arrosé à la plantation, non les... mais sinon... On... Plus pas que plus que le reste que... Quoi. Non, non. Euh... Oui. On peut aussi dire qu'on fait des, des bouquets ou... Ah oui, alors, les bouquets, c'est plus avec... Euh... Enfin, j'ai commencé un peu avec les cosmos c'est à la fin de saison, mais avec des tournesols. Donc, on a associé tournesol et courges sur, euh, sur un jardin et c'était pas mal parce qu'on avait déjà testé l'année dernière, mais avec... Enfin, un peu moins de tournesol cette année, j'ai mis le paquet, <laughs> vu que ça marchait, et puis c'est trop joli. alors euh, ils, montent, ils montent plus euh, ouais, sur, sur la hauteur, les courges font un couvre-sol, et euh, on avait un peu peur, hein. au début j'en avais mis un peu trop, euh, que ouais, les tournesols pompent un peu trop euh, l'énergie. Ouais, ouais, je la... pense qu'on a peut-être un peu perdu en rendement ouais, sur les courges. Un peu quand arrive. même, mais pas après faut, faut pas en mettre là j'en ai vraiment mis entre chaque plan de courge j'avais mis euh, un, un ou deux tournesols donc là c'est un peu trop tu sèmes en poquet tu plantes j'avais semé en ouais, ouais des semis ouais tu sèmes à deux trois graines euh... ouais Dans des, euh, des plaques alvéolées euh, un peu et vous avez choisi vos semences de tournesol pour avoir euh, beaucoup de fleurs et, euh, et des petites pommes peut-être euh... C'est des, des plus petites mais diversifiées. Du coup, il y a plein de couleurs différentes. Donc, il y a les jaunes classiques. Euh, tu as des, des presque marrons, des orangés marbrés, des jaunes très clairs. Et, euh, et du coup, pour les bouquets, ouais, c'est mieux que les, les, les gros euh, les grosses fleurs. Euh. Et tu as trouvé ça où euh, Je crois que c'était Sativa. Sativa et un peu cocopéli cocopéli on avait certaines qui étaient euh, sympas aussi sournis oui sournis pas mal ça t'y va oui ça ouais, t'y va principalement ouais. c'est ton sol spécial fleur euh, ouais je sais pas si c'était enfin spécial mais après il ouais, faut voir les, les, les variétés comme dit il faut pas que ça dé... faut pas que ce soit trop énorme pour les bouquets c'est pas alors sur le marché ça, ça marche plutôt là maintenant quoi euh, à l'été j'en avais déjà à l'été et puis ça partait pas trop trop et les gens, euh, là, maintenant, à l'automne, ils, ils ont plus envie d'un bouquet de tournesol, voilà. Et euh, on a vu avec une fleuriste, du coup, de la vallée qui, qui est intéressée. On a, fait, on a pu faire qu'une une ou deux livraisons. Là. Ouais, ce sera pour l'année prochaine. C'était ouais. la fin de saison, ouais. Mais du coup, l'année prochaine, ouais. on a un débouché, quoi. Ouais. Trop bien. Et donc, elle, elle, fait de la fleur locale. Et vous arrivez à la valoriser euh, économiquement assez bien euh, Ouais, pas mal. Vous vous alignez compliqué. sur les prix internationaux ben, on a regardé par rapport euh, à ses prix à elle, ce qu'elle arrive à avoir euh, donc, de la région Alsace. Euh, mais bon, pas, pas aussi fraîchement coupé, mais on a baissé de 10 centimes. Donc on est sur euh, 50 centimes la fleur. de tournée. Donc c'est 10 centimes moins cher que ouais. ce qui vient de l'extérieur Ouais. Bon, pff, voilà. C'était cette année, quoi. C'était plus, euh, plus du test et voir si elle, ça lui convient. Je ne savais pas. De... Combien de temps elles tiennent en vase, coupées combien c'est. Enfin voilà, je n'étais pas encore. et euh, le, le partenariat avec elle. Euh. Ouais, c'est ça. Puis après, la tige, la longueur, qu'est-ce qu'il qu qu lui faut Donc on s'est mis d'accord, voilà, c'est un test. L'année prochaine, si je peux dédier un peu plus de place pour ça, il y a un bon, un bon débouché, surtout qu'il y, y a plusieurs fleuristes dans la vallée. Le côté local, fraîchement coupé, l'originalité des, des couleurs. Donc au final, dans vos productions, vous euh, vous diversifiez quand même pas mal. Je vois les plants, les mmh. fleurs. Enfin, ah ouais ouais, bon, Pas mettre les, tous les œufs dans chose. le même panier. C'est un peu, c'est un peu le, ouais. Pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est euh, ouais de faire plusieurs séries aussi, même dans les légumes, hein, de, de pas être. Euh... Mmh. Souvent il y a des séries qui marchent plus ou moins bien, donc de, de diversifier au maximum ou. Donc dans ces cas tes séries, tu les étales dans l'espace ou dans le temps plutôt Bah les deux, ouais. Bon, après, dans l'espace, c'est un peu limité, mais... Okay. mais dans le temps, ouais. Euh... Tu vas faire par exemple euh, combien de séries de, de carottes bah, Après, genre, je commence en printemps, c'est quoi, semaine 14, un truc comme ça. Puis après, toutes les deux semaines, ouais. Moi, je prends toujours des, des carottes primeurs, enfin, par rapport à précoce, pour pouvoir tourner, justement, rapidement, quoi. Okay. Donc, ça, ouais, tomate, euh, tu vas avoir 2-3 séries, tout ce qui est euh, ratatouille 2-3 ouais, deux, 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 séries. Après, pas, en serre, je n'ai pas tant de place que ça, mais il ouais, y a des séries à l'extérieur. Et en, bah, à la place des pépinières, on, euh, en haut, on met aussi euh, une série de tomates euh, une, une fois qu'il n'y a plus de plants euh, dans la serre. Sur les feuilles, euh, pareil, tu tournes à plusieurs séries Ouais, euh, dans la mesure du possible. Ouais, ouais, aussi. Je pense que c'est important de ne pas miser. Euh, Ouais, de, de fractionner. Puis en même temps, nous, on est, ouais, les débouchés, il euh, faut les vendre aussi. S'il y, y a des brocolis euh, ou des choux-fleurs qui arrivent tout en même temps, euh, c'est compliqué. Donc euh, là, là, sur les plans, il y a par exemple en choux-fleurs euh, où j'achète des plans, ils me proposent euh, trois variétés qui arrivent à, à trois dates différentes. Quoi. Donc ça permet d'étaler le. La production. Ouais. Bah, surtout qu'on n'a pas de, de chambre froide, en fait. Donc, il euh, euh, faut que ce soit de la vente vraiment fraîche, directe. Vous, vous avez une gamme de combien de légumes Je ne sais pas. En dizaines. Hein, une euh... cinquantaine de ligues, enfin, je ne sais pas. À peu près, oui. Ouais. Avec différentes variétés à chaque fois. Euh... ouais après, oui. Ah, ouais, Est-ce ouais. que vous amusez sur les graines Oui. Donc là, on est dans ta première serre. Yes. Non, la deuxième, celle que tu as installée en deuxième. Euh, en deuxième, oui. Du coup, avec bah, pas d'aération latérale. Ouais. Alors oui. Du coup, j'ai choisi de prendre, en, de faire des laits de trois morceaux. Pour pouvoir aérer quand même. Euh, ouais. Je pense que je pensais qu'en été, c'était important ouais, de bien aérer, quoi. Et au final, t'arrives à gérer la surchauffe euh, avec ce système-là pour l'instant, ça va. L'année dernière, c'était un peu... Quand il a... En été, il a fait un peu plus chaud, les tomates étaient ici. Euh... Ouais, j'ai perdu un bouquet ou deux, ouais. est qu'en plus de ça, t'as les... Écoute, t'as les portes qui s'ouvrent, mais qui se retirent pas. Ouais. Vers le haut, t'as pas d'aération de demi-lune. Non, comme dit, ouais, celle-là était en occasion, donc j'ai ouais. pris euh, comme elle était. Est-ce que tu t'es posé la question des ombrières ou de, ou de cholet pour... Euh... Euh, non, non, pas encore, pas encore. Après, je me suis dit, les... bah, j'ai installé des vignes. Ah, oui. Donc, euh, je me suis dit, euh, bah, ça fait une diversification en plus et peut-être un ombrage intéressant en été. Donc, pour l'instant, je les ai mis euh, côté nord. Donc, elles font pas encore trop. Euh... Mais j'en ai installé des petites là, au fur et à mesure, euh, de plus en plus. Elles ont quel âge, celles du fond là euh, Elles doivent avoir trois euh, ans, là, je crois. OK. Donc on a les, les premières... Euh, on a récolté les, les premières... Euh, on a fait les premières récoltes là. Raisin de table Ouais, du coup, euh, raisin de table. Ça part à la commercialisation Ah ouais, c'est top, ouais. Les gens sont demandeurs. Hein. Ça fait des fruits euh, du coup qu'on qu n'aurait pas sinon quoi. tu ouais. Et, et as une, euh, un mode de taille particulier du coup euh, non j'avoue là, c'est ma... c'est ma mère qui taille. C'est bien. <laughs> je pas, et moi, je Mais donc, ta... elle a une stratégie de taille quand même. Euh, oui, je crois que c'est de garder une tige principale et de tailler. Euh, après, on peut la faire euh, grimper euh, où on veut, quoi. Donc, euh, ouais, c'est juste de garder une tige principale. Mais la, celle du fond, là, elle voit déjà très loin. Ça va. Ouais. Du coup, euh, dans l'idée, euh, tu es pure sur les bords et ensuite tu fais courir au-dessus pour avoir de l'ombrage au-dessus. Euh. Ouais, si ça. Ouais. Okay. Et là, les jeunes plants, euh, attends combien de temps avant la première prade bah comme dit là, c'est à peu près trois ans je dirais. Ouais, il y a trois ans on les a plantés. Et en espacement plan? Euh, ça j'avoue. Moi j'ai pris euh, les arceaux, je me suis dit euh, c'est tous les deux mètres, j'en mets un sur deux quoi. Après c'est vraiment euh, je pas de base. Ok. Et, euh, et ici il y avait quoi du coup avant euh, de passer aux feuilles? Euh, culture d'été, enfin d'abord, il euh, y avait tout ce qui est melon, pastèque, euh, associé à du maïs doux et une ligne de, de haricot rames au milieu. Alors, du coup, tu as ton maïs doux tous les. Euh, entre. Dans les passe entre, ouais, oui Oui, c'est ça. Sauf euh, là où il y a la ligne de rame Oui, après, c'est les maïs de ouais, quand même un, un mètre. Euh de trois chaque mètre quoi pour pas Parce que ça pompe beaucoup d'eau le maïs donc ouais. euh, j'avais peur que pas tu les mets en poquet tu les laisses tous les ouais. trois si ça tu mets tous les mètres ouais. dans les passe-pieds et, euh, ouais, et ouais c'est ça et au milieu tu mets tes melons tes pastèques ouais après je mets pas trop de rangs non plus ça fait quand même beaucoup d'ombrage aussi pour ouais. les melons donc j'en mets je mets deux rangs je crois sur, sur une, une demi euh, une demi serre quoi ouais. Donc euh, ouais, maïs doux, les gens ils ont vachement friand. En plus, on les a en serre, on les a eus plus tôt, donc euh, juste en été euh, sur le barbecue et tout, ça c'est ça passe bien, ouais. T'as sorti euh, quelle quantité, tu sais me dire Non, moi il y avait ouais, il y avait, je sais pas, 50 épis euh, par semaine euh, sur un mois quoi à peu près. Okay. T'as tes serres là, elles font combien en longueur Donc celle-ci, elle fait 20. Euh, et l'autre, euh, je fais 27. Ouais. Donc, tes deux rangs de maïs doux, euh, t'as tes euh, au milieu, donc un rang. Ouais, un rang. Ok. Euh, que là, t'as retiré, euh, t'étais oui. sur quoi T'étais sur filet T'étais sur. Euh... Filets, ouais. Ok. Ouais, euh, pour les filets, t'as fait quel choix Plastique, euh, dégradable, filet, euh... plastique, ouais, pour l'instant. Ok. Euh, donc, euh, tes et euh, là-dessous. Des melons, des pastèques, voilà. euh, pas mal d'ombrage pour des cultures qui ont besoin de beaucoup de soleil dans ouais. un climat où le soleil arrive tard. Ça se passe comment euh, Là, cette année, c'était moyen, disons. Euh, ouais, je me demande si par exemple les haricots, c'était peut-être un peu too much. Ouais. Euh, ça faisait vraiment beaucoup d'ombrage. Mais le maïs, euh, ouais, je pense que je vais continuer. Ouais. Ouais. Et euh, est-ce que tu as une gestion hydrique particulière pour euh, gérer euh, l'arrivée à maturité de tes melons et de tes pastèques Oui, ça c'est. Je crois que l'irrigation c'est le truc le plus compliqué, je trouve, à gérer. Le bon dosage euh, au bon moment. Surtout pour les melons, en fait, euh, bah, c'est mieux d'arrêter l'irrigation sinon ils éclatent. Et après, le maïs pompe beaucoup donc il, il fallait trouver un peu un entre-deux quoi. Donc euh, <coughs> euh, là je suis passé, je crois, je faisais du... Je programmais 20 minutes par jour, je crois. De goutte à... Goutte à goutte, ouais. 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 Et du coup, là, j'ai pas mal bâché. D'habitude, je faisais. Je faisais sans bâche en fait. Mais là, du coup, avec l'enherbement, j'ai décidé de... de vraiment de bâcher plus de choses. Oui, et puis, euh, accessoirement, t'es papas papa dans deux mois aussi. Donc, ouais. euh... Oui, oui. Et d'organiser, par exemple, euh, là, on va aussi faire euh, des épinards, on va on va associer avec de l'ail. Donc, ah il y a des, des trous, euh, les trous vides, on va mettre deux de rangs d'ail, par exemple. Ouais. Et en fait, au printemps, c'est pas mal, parce On fait des petites bottes d'ail frais. Euh, c'est un complément pas mal. Tu as choisi de travailler à la bâche au... À la planche euh, et pas d'avoir euh, des grandes bâches Oui, ça ah, c'est euh... une bonne question parce que c'est mon test de l'année prochaine. En fait, euh, l'idée c'est de d'alterner en fait. Euh, la les cultures diverses seront sur bâches et l'idée l'année prochaine il y aura les tomates et l'idée c'est de planter euh, sur un rang mais dans les passe les tomates. Et du coup, on a une espèce de culture en dérobée. Je pourrais encore récolter sur les planches et pouvoir planter les tomates en avril, même s'il y a encore des choses un petit peu sur les planches. Et bah, j'ai testé les tomates sur. Euh, de les rapprocher de 30 cm, mais de les conduire en V sur, euh, sur deux branches. Et du coup, tu as un seul rang de tomates, tous ouais. les 30. Mes conduits sur de et mes conduits sur de, de mes vers vers l'extérieur du coup. Ouais. Pas sur le rang. Non. Okay. Et du coup euh, et ben, les gouttes à gouttes ils sont déjà en place. Là. En fait tout est presque déjà en place en, en hiver et ben, du coup je enfin, j'espère gagner du temps et pouvoir aussi le fait de mettre sur un rang le tomate c'est que tu peux mettre aussi plus d'aromatiques euh, deux gouttes à goutte sur enfin qui encadrent le rang de tomates. Et tu peux encore rajouter des, des aromatiques euh... entre les densités à 30 euh... Ouais, enfin mais plus à, à l'extérieur, par okay. exemple. Mais après peut-être sur les plutôt sur les bâches quoi après. Okay. Tu as déjà testé ça ou... non là, ça va être, oui. euh... ça <laughs> ça va <rire> être. <rire> Mais sur un rang j'ai déjà testé j'ai bien aimé quoi les tomates. En plus la ventilation c'est un peu enfin, c'est mieux ventilé que de mettre deux lignes sur une planche quoi. Euh, ouais. Donc ça, ça va être le, le grand test de l'année prochaine. <laughs> Et là, du coup, sur euh, tes séries feuilles d'automne, je vois euh, épinards, salade, mâche La mâche, tu as choisi de ne pas la faire sur bâche. Oui, bah, vu la densité, vu ouais. La ça, densité. Me, ça me paraissait compliqué. Okay. Bah, du coup, j'ai paillé quoi. Ouais il y a un peu de tonte. Qui, euh, ouais. qui, re, qu qui revient mais tu euh, ouais. as les épinards tout ça c'est ton mesclin mesclin derrière Clayton de Cuba ok que tu vends avec ton mesclin euh, euh non à côté En euh, ouais. petit bien. bouquet ouais ouais ouais, ouais j'ai appris ça au début c'était un mais une fois qu'ils ont goûté euh, ouais ils ont bien aimé ouais. et dans le fond les... les oignons de mai ouais pour l'année prochaine et là encore, tu as utilisé tes passe ouais. Sur l'idée, J'ai pas besoin de tous mes passe j'en sème un sur deux. C'est enfin, ça. Plante, sème. Donc, on a, ouais, sur un passe on a des blettes. Ouais. Donc là, elles vont. Bah ouais, jusqu'au printemps, là. Euh... Après, je les récolte quand elles prennent un peu trop d'espace. Et puis là, on a encore une série de, de navets. Bon, on va voir avec les salades, je pense c'est un peu serré. Mais. Euh... On va voir. Bon, en tout cas, c'est bien rempli. <laughs> alors dernière question sur cette serre euh, tu m'as beaucoup parlé du goutte à goutte à quel moment est-ce que tu utilises euh, les asperseurs comme ah, voilà ouais. ça, ouais, ça j'aime bien j'ai pas de pendulaire en fait je trouve euh, c'est un peu gadget euh, et j'optimise en fait les rampes extérieures en fait euh, au printemps et en automne j'en ai pas besoin encore très largement à l'extérieur donc je les, mets, je les garde en serre et ensuite euh, quand j'en ai besoin à l'extérieur ben bah, je les je les bouge et je laisse dans la serre euh, je laisse la place aux goutte à goutte donc là tu les as utilisés pour le démarrage de euh, toutes tes feuilles euh, oui. à la reprise c'est ça oui là les gouttes à gouttes ils servent pas hein. okay. euh, et du coup c'est ouais c'est très facile à manipuler là les, les rampes euh, donc euh, je trouve ça et on, ça t'économise euh, les pendulaires donc euh, Super. Bon, ici, du coup, on est dans ta première serre, la première que tu as installée, avec les ouais. ouvrants automatiques sur les bords, les portes euh, que tu peux ouvrir euh, peut-être un peu plus facilement. Euh, oui, c'est aussi à bascule, mais il n'y a pas de demi non plus. Ouais. Mais les aérations, ouais, c'est quand même... En été, c'est quand même pas mal. Tu es content de cette serre euh, Oui, oui, oui. Bah, je la préfère euh, ouais, à la deuxième où il n'y a pas d'aération. Ça chauffe moins fort. Et euh, ouais. les précédents ici, du coup, c'était quoi euh, Bah, du coup, là, il y avait, c'était la serre à tomates en été euh, que je suis en train de débarrasser. Donc cette année, ouais, j'ai un peu de maladie un peu sur les, les tomates, les ai... Donc, elles vont partir un peu plus tôt. Et là, on met en place comme l'autre serre les, les cultures d'hiver, quoi. Donc, Donc euh... ici, t'avais les tomates, maintenant t'as la mâche. Ouais. Ici, t'avais les tomates, il te reste plus que le basilic. Ouais. Tu le gardes pour la semence euh, Là, on va, on va encore faire du, sûrement du pesto. On va essayer de vendre encore les derniers bouquets. Peut-être faire du pesto encore avec ce qui reste. Ok, vous, vous transformez vous-même Ouais, du coup, euh, on fait un peu de transfo. Bon, C'est voilà, vraiment les surplus. Euh, les surplus pour ne pas gâcher. Et puis euh, avoir un peu de diversité euh, en hiver où on a moins de choses. Et donc, il vous reste deux rangs de tomates que vous n'avez pas encore retirées Voilà. Euh, combien de variétés de tomates euh, je ne sais plus trop compter, mais on est à peu près à 70 variétés, je pense, euh, en tout. Ok. <laughs> Entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais. T'as préféré ou tes préféré dans le lot euh... <laughs> bah, Les tomates cerises et euh... la bah. black cherry. ouais. Moi, j'aime bien le sucré. donc. Euh... <laughs> Euh, après, en tomates euh, plus grosses, euh, bah, les noires de Crimée, enfin les charnues ouais, en général, euh, les, les tomates ananas. Euh, les vertes sont aussi un peu plus acidulées, j'aime bien aussi. Les euh, verts green, euh, green zebra. Ouais, toutes. Elles sont toutes bonnes. Ouais. Elles sont toutes bonnes. <laughs> okay. Les fils, c'est des fils biodégradables. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Euh, J'ai juste à couper là. Et puis, euh... bon là, il faut que je découpe un peu mieux. Et tu fais quoi du coup des, des déchets de culture Tu les au sol Ouais, je composte en tas. Après, ouais je se pose aussi. ouais Après, se pose la question là en... d'avoir un broyeur pour euh, tout de suite euh, rentabiliser le de faire un petit broyage de tomates et d'avoir un... un paillage euh, avec les... les résidus de culture. Et ça, ça peut être cool aussi. Ouais. Mais du coup, il faut enlever les fils. <laughs> ouais, du coup, euh... ouais, je suis encore. Euh... Ou alors euh, laisser euh... monopoliser un peu plus la serre, mettre une irrigation par aspersion, mouiller tout que ça commence à décomposer et ensuite broyer. Mais du coup, tu perds de, du temps euh, sous serre. Ah oui, c'est vrai que c'est ouais. ça peut être une solution aussi. Compromis. Bon, ok. as monté un, un dôme géodésique du coup au démarrage de, de ton installation. Ouais. L'idée euh, c'était que ce soit ta pépinière, c'est ça Ouais. Du coup, euh, ouais, c'était de faire une pépinière. En fait, euh, l'idée, euh, moi, qui, m, qui me plaisait bien, c'est qu'il y a toujours une face quand même perpendiculaire au rayon du soleil. Et du coup, je me suis dit, bah c'est un, une, une serre qui où la lumière pénètre bien et du coup en pépinière, ça, ça pouvait être intéressant quoi. Et alors dans les faits bah oui, oui, tu vois une différence sur après, le... Euh, ouais, le réchauffement du, du dôme par rapport à une autre serre Après, non, c'est difficile à, à juger. Après, le, le rapport surface-volume est aussi intéressant. Donc, il y a une grosse inertie thermique aussi. Parce qu'il y a quand même du volume. Donc, comme une, ça, c'est quand même aussi intéressant. Et après, ouais, c'était le côté esthétique aussi. Et puis, de, de le faire soi-même, c'était rigolo à faire. quoi. <laughs> plus économique aussi hein. Oui, voilà euh, à part le matériel bah il y a du bois surtout euh, et puis euh, les bâches plastiques, la visserie bah j'en ai eu pour 1000 euros à peu près quoi de serre pour 35 mètres carrés de, de surface c'est ouais c'est intéressant par contre très vite tu t'es rendu compte que ce n'était pas suffisant euh, en termes d'espace pour faire les plans ouais bah oui oui surtout oui. en fait euh, ouais, c'est vite limité ce qui est embêtant c'est que c'est en quand tu as des caisses carrées et, un, et, un cercle, et une sphère, enfin, ouais, un cercle, des fois c'est un peu compliqué. Donc euh, euh, voilà, donc on a plus, ouais, là, en termes de pépinière, on n'est pas encore euh, au top, disons. On a deux différents endroits, donc il y a un peu de manutention entre la serre chauffée. En, quand j'ai plus trop de place, euh, qui fait un peu plus chaud, je le mets dans le dôme. Donc euh, voilà, ça fait un peu de manutention. Et voilà, donc il y a aussi une couche chaude aussi qui permet euh, de tenir les plants de tomates mars euh, en mars euh, encore euh, au chaud quoi. D'accord, pris oui, d'ailleurs. <laughs> <laughs> okay. Et donc là, on est devant les vestiges de ton poulailler. Voilà. Euh, okay. Tu dis t'as eu des poules, t'en as plus, raconte. C'est ça, donc on avait une vingtaine de poules quand même. Alors l'idée c'était vraiment de les intégrer au maximum dans, dans la gestion du jardin. Dans un premier temps, je me suis dit euh, de faire un poulailler mobile, ça peut être pas mal, à la fois pour euh, fertiliser en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'en calculant les, les quantités d'azote, pour 20 poules, je crois, j'avais calculé, ça fait quand même 18 kg euh, d'azote hectare. Donc, euh, comme en bille, on n'a pas le droit de dépasser 170, c'est quand même euh, pas mal. Euh, voilà, en azote et puis euh, aussi de gratter en fait un petit peu. Je me suis dit, par exemple après ou avant une culture, euh, par exemple après les courges, euh, où il y a un peu d'endermement euh, qui se fait, on peut imaginer de déplacer les poules et qu'elles fassent euh, ton boulot à ta place. <laughs> et alors et alors, euh, ouais, dans les faits, c'est pas mal, mais il y a des petits bémols. Bon, déjà, il faut faire très attention aux ravageurs, quoi. Euh, là, les... nous, on a eu des renards, donc, euh... enfin, un particulier qui, qui nous a décimé les les poules là il y a un mois. Donc, euh, il faut bien gérer euh, la structure et, et l'ouverture, fermeture des portes, parce qu'on a été un peu négligent euh, à ce moment-là, quand la nuit commençait à tomber, on a oublié de retarder. Ce qui fait qu'il y a eu un créneau. Euh... C'est automatique ouais. oui, porte... ah oui, comme on n'habite pas, so euh... euh... ouais, pas sur place, non, minuteur justement. Et du coup, comme on n'habite pas sur place, c'était compliqué. Quoi. Donc vous avez enfermé le renard dans le poulailler ben, Je me suis dit, ça pouvait être une option. Le... Si ça se trouve, il était dedans et ça a fermé juste à ce moment-là. <laughs> et là, euh, ouais, bon, on n'a eu que des... 12 cadavres dans le poulailler. Quoi. Donc, euh, et voilà. Donc là, il faut bien, euh, bien gérer, surtout qu'on est en bord de forêt. Mais sinon, au niveau euh, désherbage culture euh... Ouais, sinon, c'était assez, assez concluant. Euh, il fallait juste faire attention de ne pas les laisser trop longtemps. Ça va très, très vite. En fait, euh, elles tassent même 20 poules là, sur, euh, je ne sais pas, c'était 30, 40 mètres de... carrés en une semaine, euh, deux, deux semaines max. Quoi. Euh, sinon, elles tassent... Euh à force de gratter et surtout quand quand il pleut en fait elles, elles font quand même une croûte un petit peu de, ouais. de battance et de ouais, ça, ouais. ouais donc il fallait les déplacer assez rapidement et euh, et le ouais l'inconvénient c'est que ouais il faut quand même être deux trois là on, on a on a auto construit la, la le poulailler quoi mais il est un peu lourd en fait à déplacer surtout avec euh, la pente, la pente. <laughs> donc euh, ouais ça c'était un peu l'inconvénient fallait le déplacer toutes les deux semaines à peu près et euh, ben bah, voilà fallait être vigilant c'est une charge un peu mentale en plus pour nourrir les poules euh, pour qu'elles soient bien et donc, et donc là pour par as contre plus euh, les, les poules ouais euh, mais as projet de remettre euh, ouais mais je pense faire ça un peu plus peut-être un poulailler fixe peut-être plus et euh, avec euh, ouais, des structures un peu plus solides et pour être mieux armé contre les prédateurs ouais ouais, euh, ouais parce qu'il a une certaine, on a beaucoup de demandes au marché hein, pour les oeufs. donc il y avait quand même euh, une diversification intéressante aussi euh, par rapport à ça c'est un produit d'appel ah ouais parce que ouais trouver des œufs fermiers euh, ouais, en bio en plus euh, c'était compliqué ouais donc euh, ouais okay. c'était un bon essai <laughs> Et donc dernier petit point tant qu'on est sur la, la diversification <laughs> J'ai vu qu'il y avait des ruches Est-ce que tu peux m'en dire deux mots et eh bah ben, ouais on a six ruches du coup. Donc au début c'était plus pour la consommation personnelle et pour euh, ben, je me suis dit une meilleure pollinisation dans, dans le jardin. Et, et j'ai appris progressivement euh, avec un ami qui, qui est venu poser ses ruches et j'ai vu en, en même temps que lui un peu les opérations. Euh, parce qu'il y a quand même euh, des choses... Euh, c'est assez technique quand même aussi. Donc euh, j'ai vu ça au courant d'une année et puis après j'ai acheté deux ruches et puis au fur et à mesure bah, on récupère des essaims euh, et puis voilà. Donc c'est ouais, un atelier assez sympa. Euh. Donc c'est toi qui gères, c'est tes ruches, oui. tu récupères le miel, oui. tu as du surplus euh, Oui le miel, là, on n'a enfin, pas encore tout mis en pot mais on doit avoir une cinquantaine de kilos là, sur 3 trois, trois trois, quatre ruches qui ont produit euh, cette année. Donc, tu vends ton miel Ouais, on vend un ouais, peu. Euh, quand on en a, on en vend quoi. C'est significatif euh, dans ton chiffre ou pas du tout euh, Ouais, c'est pas. Alors, euh, sur 50 kilos, bon, on en garde 10 au moins pour nous <laughs> et la famille. <laughs> euh, ouais, 40 kilos et puis. Euh, euh, ouais, 15 euros, allez, 15 euros le kilo. Euh, ça fait 40 fois 15. Euh, 60. Non, 600. 600 euros, ouais. <laughs> sachant qu'il y a pas mal de frais quand même hein, parce qu'il faut nous, faut les nourrir euh, au sucre et on, enfin, une hiver. fois qu'on a ré récolté en hiver, ouais. donc il y a pas mal de frais et c'est ouais, un atelier assez onéreux quand même parce qu'il faut acheter des ruches au début, c'est 150 euros le, l'essai, je veux dire, plus la ruche 100 euros, euh, ouais, c'est quand même un petit investissement qu'on retrouve. On n'est pas sûr, à moi qu'on se développe vraiment là-dedans, on ouais. n'est pas sûr de dégager beaucoup de, de revenus. quoi. Vous récoltez euh, une ou plusieurs fois dans l'année ah Non, du coup, moi, je n'ai pas trop le temps de m'attarder, euh, de faire plusieurs miellées. Donc, euh, en fait, c'est ce qui est bien aussi. Ça fait un petit mélange suivant l'année. Entre ici, il y a du fleur, de la fleur, euh, du sapin et euh, du châtaignier. Donc euh, chaque année c'est un peu la surprise, euh, ça fait un petit, un petit mix euh, suivant ce qu'elle récolte quoi. Du coup à quelle saison est-ce que tu vas venir euh, récolter Du coup là c'est euh, bah, en début août ouais. On, on récolte euh, et après on les nourrit encore euh, jusqu'à ce qu'on... bah jusqu'en y enfin en ouais, août-septembre. Et on fait les traitements aussi contre le Varroa. Euh. Aux hivernés. Ouais. Okay. Euh, trois ruches en général, vous posez des hausses. Euh... Oui, oui. Après, c'est des, des ruches classiques d'Adam. Hein. Et euh, après, on pose euh, suivant la force de. Euh, la année, par exemple. Bah, ça dépend. Hein. Il y en a sur euh, la plupart. J'ai mis une à deux hausses. Et puis, il y en a une qui était très forte. J'ai mis euh, qu quatre hausses, quoi. Donc, ça dépend euh, de la. On dit, la vitalité de la reine. Euh, euh, quel degré d'abeille de, de, elle arrive, enfin, si elle fait beaucoup de pontes ou pas. Tu t'es formé spécifiquement sur le sujet autre que euh, l'apiculteur qui est passé chez toi au démarrage euh, Non, en fait, ouais, j'ai appris vraiment sur le sur le tas et peut-être un bouquin, ouais, sur les. Mais ouais, surtout, euh, c'était surtout par euh, ouais. Okay. C'est ça. Et euh, en temps passé sur les ruches, tu arriverais à me dire un peu oui, enfin, euh, alors, il euh, bah, y a une... Euh, après, ça dépend, c'est comme le maraîchage, il hein, y a différentes conduites, euh, ou comme la taille des arbres. Il y en a qui taillent un peu, et d'autres beaucoup. Euh, moi, j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est vraiment minimaliste comme intervention. Donc au printemps, on vérifie euh, la santé des ruches. En avril, hein, euh, quand on commence avoir les, quand il fait plus que 15-20 degrés, on peut ouvrir les ruches. Et là, on regarde chaque ruche. Alors, il faut prendre une demi-journée pour bien regarder. Si vraiment les ruches sont populeuses, on, on peut les diviser à ce moment-là pour euh, pas qu'elles essaiment en fait. Quand elles, ont, quand elles sont trop, quand il y a trop grosse population par rapport à la ruche, elles ont tendance à ysser. Donc euh, les, les ruches qui sont fortes, on les divise pour euh, à anticiper euh, cet effet là, et après, ben après, on vérifie de temps en temps euh, quand elle commence à, à rentrer du miel. En fait, il faudrait regarder euh, au moment où la ruche euh, où il y a beaucoup de miel, on commence à mettre les hausses, et puis à partir de là, euh, on n'a plus grand chose à faire jusqu'à la récolte. Euh, et puis voilà, après, il y a les traitements aussi. La le nourriture qui prennent euh, au mois d'août, euh, il faut. C'est pas une période facile en maraîchage, donc euh, il faut les nourrir tous les jours là, parce qu'on leur a enlevé le miel, donc il faut, euh, il faut compenser un peu. Et euh, là, il faut y aller tous les jours, pendant, bon, ça prend une demi-heure, euh, verser un peu de sirop euh, par, euh, ouais, pendant 2-3 semaines. Et puis, puis voilà quoi. Donc c'est quand même des, des, des moments ponctuels, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où. Ça vient frotter avec le maraîchage. Ouais. Euh, ouais. <laughs> Trop bien. Tu sais me dire c'est quoi comme abeille Alors euh, là, il y a des, un petit mélange, euh, c'est des bugfasts, donc c'est vraiment classique, classique là. Ouais. Et là, cette année, j'ai essayé, ben justement, euh, un copain qui m'a entraîné là-dedans, il a essayé de prendre des abeilles noires. Donc il est allé chercher à Grenoble, je crois, dans un conservatoire exprès. Et euh, du coup, il y a deux, deux essaims d'abeilles de, noires là. Hein, comme... J'ai pas vu forcément de, de différence. On va voir si elles tiennent mieux aussi l'hiver. Elles sont réputées plus rustiques, donc euh, voilà. Top, parce que tu vois des, des dommages, euh, que ce soit varois, frelon, euh, vitalité. Euh... Ben c'est comme les, les variétés un peu F1, euh, pas F1, enfin. Ouais. En fait, les abeilles, là, les bugs, ça, ce que j'ai, elles, sont... elles ont été génétiquement euh, sélectionnées pour, euh, ben, pour aller chercher, récolter le miel euh, à fond. Et pas forcément euh, d'être très rustiques euh, en hiver, quoi. Du coup, tu euh... perds des essaims en hiver Donc, l'année dernière, j'ai perdu ouais, trois essaims. Euh, C'est la première fois que j'en perds autant. Sur combien bah, sur, cinq, euh, ouais, sur cinq, ouais, sur 5 Donc, euh, ouais, là, on a essayé. Euh, d'avoir une autre approche, d'avoir une diversité, pour voir si, si ça pouvait jouer aussi. Trop bien. Eh ben Thibaut, merci pour euh, toute la matinée que tu nous as consacrée. Bah, de rien. Merci pour ton euh, jardin euh, fleuri et bien rempli euh, en ce mois de septembre. <rire> <rire> merci. Euh, si toi, tu après tes 6-8 années, 6 ouais. années, D'installation, euh, tu avais un retour à faire, euh, des choses à améliorer si demain il fallait t'installer sur une page blanche. Euh, ce serait quoi un peu tes, tes retours d'expérience par rapport à ce que tu as vécu ici mmh. Alors si j'avais à me réinstaller, je crois que je ferais à peu près pareil, mais peut-être euh, sur une. d'essayer de, de. sur une plus petite. Enfin, en tout cas au début, de vraiment, je pense, commencer sur une petite surface, de pas. Pour ne pas être submergé surtout si on débute euh, si et puis si on peut se permettre euh, aussi financièrement quoi de, bah, de commencer doucement ouais, je pense et progressivement comme comme je l'ai fait je trouve que c'était c'était euh, c'était gérable et euh, ouais ça s'est fait progressivement donc je trouvais ça je trouvais ça bien et puis après ben bah, ouais on est en conclusion bah expérimenter si vous pouvez prendre des risques euh, et puis faire surtout ce que vous, ce qui vous plaît aussi, quoi. Après, en fait, on en parle mieux quand, bah, quand on aime ce qu'on fait et les variétés qu'on fait. Euh, voilà, on le communique aussi mieux aux au clients après. Euh, même s'il y a un peu de pédagogie à avoir, quoi, des fois. Mais ouais, voilà. Ce serait, ce serait ça. On a fait des bilans car, ah, je sais pas, si ça vous intéresse, on a fait des bilans carbone sur la ferme. Mmh. Ça dit quoi euh, Bah du coup on est excédentaire, on fait, euh, on stocke du carbone. On est à 20, 20 tonnes de CO2 à peu près stockées, euh, 12 euh, émis avec euh, les plans euh, les bâches plastiques, mais le principal étonnamment c'est les, les émissions c'est le compost qu'on achète. Oui. Donc, c'est 75%, c'est le compost. C'est l'émission pendant le compostage ouais. ouais. Et puis les machines et tout. Et bah du coup, j'ai dit quoi C'est 20 et on est 8, 8 tonnes de, de stockage par an. Seulement sur la partie production par an. Ouais. Pas sur l'achat-revente. Ouais. Là, c'est trop compliqué à tracer. Ouais. Top. Mais <laughs> ouais. En MSV, ouais. du coup, on stocke du carbone. Ouais. C'est cool. <laughs>